Alors. Voilà. Du coup. Ah bah bonjour Scraffer. Bonjour Scraffer, incroyable. Comment il va le petit Scraffer? Putain, j'ai déjà chaud, ça y est, au secours. Du coup. La dernière fois, on a pas mal avancé. Écoutez, on a fait le chevalier carbon, on a fait la sorcière, on a un petit peu maxé tous les personnages, et puis là, on est à Bacilli pour s'y rendre parce que, a priori, selon le jeu qui me fait une petite histoire, on a débloqué le pont vu que le chevalier carbon est libéré, c'était un fantôme, bref, de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire. On a débloqué la marmite alchimique pour faire plein d'alchimie. Du coup, le craft, ça va être sympa. On est arrivé à Bacilli, j'ai sauvegardé, et le but, ça va être, petit 1, de fouiller toute la ville, normal. Et petit 2, eh ben, de savoir quelle va être la suite de nos aventures. Vu que l'Orient Express a remarché pendant 3 secondes, et puis plus rien après. Voilà. Bon, on va un petit peu tout explorer. Qu'est-ce qu'on a là? On a un prisonnier, la porte fermée à clé. Ok. Et c'est tout ce qu'on aura ici. Là, bonjour. Mais ça ne voit pas comment il se comporte, si vous voulez mon avis. Je pense souvent après. Archéologue, il se terre dans son petit laboratoire. Cette personne qui veut s'apporter sa femme, si vous voulez mon avis, il est un peu fêlé. Oh, vous savez. On ouvre ici. On casse tout. Bonjour. Je me souviens d'avoir entendu que cette maladie avait déjà frappé notre ville. Ah, on est dans une maladie qui est mourante, c'est vrai. Je me demande comment ils avaient fait à l'époque pour s'en débarrasser. Ah là là, il se passe des choses. Petite herbe. Et puis c'est tout ce qu'on aura. Bonjour monsieur. J'ai déjà eu les maladies, mais aucun était aussi méchant que celle-ci. J'ai l'impression d'avoir un pied dans la tombe. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Et au-dessus, c'est juste là. Ok. Mon vieux pote, une amie religieuse, ma grand-mère, surtout, s'est attrapé la maladie. Je suis embêté, je sais pas trop par laquelle commencer. Celui qui va s'en sortir. C'est-à-dire pas la vieille. Tenarwem, c'est comme ça. Hein. Ah. J'entends déjà mon. Ah non, c'est pas moi. Je vous apprends pour quelqu'un d'autre, je me sens bête. D'accord, mais tu peux m'en dire plus, excuse-moi. Oui, parfois j'aimerais te poser maintenant que je suis marié. Ouais. Les rudiments des arts martiaux. Ah, la finesse dont les ingrédients peuvent être récupérés sur son continent peuvent être la priorité du pugiliste débutant. Les recettes de la veste de lutte, de la veste de lutteur et du pantalon d'exercice. Oh! Pantalon de lutteur et de la finescence. Ah, d'accord, je peux crafter. Je peux crafter de l'équipement. Évidemment, pour crafter de l'équipement, il faut un équipement très bas pour aller très haut. Ce qui est normal. Il y a une grande maison. Ok. Pourquoi, comme moi, t'as pas intérêt à attraper cette maladie? Mais les femmes, les enfants et petits vieux doivent faire attention. Il y en a beaucoup qui sont malades. Je sais pas quoi faire. C'est pas facile d'être là. Rien pourra faire quand la ville se meurt. Ok. Dans cette maison. Si vous êtes là pour monsieur, il est au deuxième étage de la bibliothèque, cette demeure a longtemps été la plus raffinée de tout Bacilli, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grimoires. C'est pour cette raison que le docteur Fleming, bon petite référence à Fleming, est venu à Bacilli, est venu étudier des grimoires pour ses recherches. Au départ, il était très heureux de l'accueillir, mais quand l'histoire avec mademoiselle Agrippa a débuté, je vais arrêter de raconter tous ses potins. Tu as bien raison, madame, et ça me fait penser, est-ce que sur mon plein écran, oui, sur le plein écran, c'est le bon écran, du coup c'est réglé. Bonjour. C'est moi qui demandais au mariage de faire un peu de terfilm pour aider à déchiffrer ce bégumard. J'espère que ça permettra de mieux se connaître, de mieux s'entendre. Agrippa doit être ennuyé que son mari et son père ne s'entendent pas. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Bah, c'est ta faute, mec. La meuf. Un petit brassard d'or. Alors maintenant, l'équipement, je vais éviter de le vendre. J'aimerais au moins tenter de faire un tout petit peu de craft dans la vie. C'est comme si la vie avait quitté cette maison parce que Agrippa s'est marié. J'ai toujours pas compris ce qu'il lui trouve. D'accord. Donc il y a un mec qui s'est marié avec la fille du proprio. Et le proprio, il est en train de se ronger le frein. Comme on dit dans le milieu. Et là, je sors où? Je sors juste au-dessus, d'accord. Bonjour monsieur. Ça voulait donc dire ça? Oh, je rends les armes, je comprends vraiment rien. Je vais devoir lui demander un coup de main. Je
n'ai pas le choix, je dois faire quelque chose hein, que d'autres personnes en souffrent inutilement. J'ai pas vu que j'ai un invité, je suis le maire Germain, que puis-je faire pour vous? Vous inquiétez de ce qui se passe, je vais vous dire ce que je sais, je suis sûr que vous savez qu'une maladie contagieuse s'est déclarée. Cette maladie a frappé notre ville il y a un siècle, j'ai commencé à chercher une solution, c'est que moi, mais je n'y comprenais strictement rien. J'avais pas me laisser là-bas, je les ai donnés à Flegming, en espérant qu'ils comprennent quelque chose, je sais pas s'il faudra pas longtemps pour découvrir quelque chose, mais j'ai pas envie d'aller lui demander. Mais oui! Vous inquiétez de ce qui se passe. Dans ce cas, ça ne nous dérangeait pas d'aller voir Fleming. Sa maison est à l'ouest de notre manoir, ça m'ennuie de vous embêter avec ça, mais j'aimerais que vous alliez lui rendre visite. D'accord, mais en fait, ok. Le beau couteau. Coagulant et boue, nos abondes sont les ingrédients de base de couteau, mais tout commence avec le poignard empoisonné. Ah, des petites dagues. Dague divine, poignard empoisonné et poignard du purpillon. Ainsi que aiguille empoisonnée et dague d'assassin. Ah, on a des petites recettes, ça c'est cool. Aucun livre intéressant. Habit d'élégance. Ah, l'aine d'agneau est indispensable pour la création de vêtements. Vous pouvez notamment récupérer sur les boucboules. Manteau de dissimulation, tenue de gluant, manteau de majestueux, manteau des rêves, de glurin et de pantalon béni. Je remplis mon petit carnet de craft. Trop cool. Du coup, le craft, ça va être aussi du farm. On va pouvoir mélanger l'utile à l'utile. Et on m'avait dit deuxième étage. Il n'y avait pas un deuxième étage? Bizarre. Je pensais que... Ah oui, d'ailleurs, moi, j'ai déjà pris mon petit goûter. Hein. Il est 14h, c'est le goûter, mais je n'ai pas trop mangé. Comment il va, ce crafter? Comment il va, ce petit mercredi? Ça va. Ça va, hier j'ai passé une petite journée tranquille en ville, ça s'est bien passé, et puis ce matin, un petit peu mal réveillé, ouais, j'ai un petit, je sais pas, j'étais pas là, et là ça va mieux, là j'ai mangé, je me suis un peu calmé, ça va mieux. Alors, putain, oui, c'est vrai, je peux augmenter. Je vais prendre des meilleures armes pour chacun. Oui. Alors, moi, comme ça, meilleure attaque. La lance pour Scraffer, là, j'ai une lance qui convient, le reste, c'est trop cher. Camille, j'avais dit quoi? J'avais dit bâton, vu qu'il est magicien. Ouais, il a déjà un meilleur bâton, et pour... Obscura, c'est des griffes, mais là, déjà ce qu'il faut. Ok. Bon, juste augmenter l'arme pour moi. Et en termes de défense, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, meilleur bouclier. Bouclier chélonien. Ouais, bouclier un peu trop cher, les casques. Ah, je peux prendre un turban. Je vais en prendre un pour moi. Ça fera un peu plus de c'est défense. Ah, c'est défense, soin et puissance. J'ai pas trop de magie, du coup, juste ça, à la limite. Bon, je vais prendre un casque, à la limite. La défense, côte de maille ou armure de bronze. Ah. La petite armure, mais ça fait cher, quoi. Ah ouais, ça fait trop cher. Ça fait beaucoup trop cher. Les gants, oui. Plus d'adresse. Obscura, elle a déjà un truc pour l'adresse. Donc, non. Un gant. Ouais, que 2 points, c'est pas assez. Les kilts, là, c'est bon. Genouillère. Ah, ça fait un peu cher. Quoique, 4 points et 4 points, Scraffer, je sais pas. Ah, j'ai personne qui a des bottes. J'ai personne qui a des bottes. Ah oui, j'ai tout mis en... Si, j'ai mes bottes, j'ai tout mis en esquive. C'est débile. Je vais prendre une paire. Ouais, faut que je vérifie un petit peu mes équipements. Je vais prendre une paire. Et je vais en équiper... Ouais, je vais en équiper mon main. Voilà. Du coup, mon main, il sera 0 esquive.
Et il faut que les magiciens aient un peu plus d'esquive. Là, on a un petit petit magasin. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, j'ai plus d'herbe. Ah bah oui. On va reprendre 8. Hop, et dans le sac. Pour le moment. Les herbes, j'en ai. La botrique lunaire. La botrique lunaire, il faudrait que j'en prenne au moins 2. Voilà. L'aile de chimère, j'en ai encore pas mal. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Faudrait que je farme un tout petit peu pour la thune. Bientôt. Là, il y a des escaliers. Des escaliers. Là, il y a une cheminée. Il y a plein de trucs à voir. Je voulais jouer avec ma super copine, mais elle est déjà couchée. Alors, je peux pas, je crois pas. Pourquoi elle est déjà couchée alors qu'il fait encore jour? Ah, si tu savais, mon petit pote. Ah là là. C'est des assiettes. Création reptilienne. Il doit s'en dire, vous avez besoin de peau de serpent pour fabriquer des objets. Celle des Venikonda convient très bien. Foie de serpent, foie reptilien et claque-vent. Éventail cobra, armure de... Waouh, mais je peux créer tellement de trucs pétés. Je vais aller jouer dehors, bah tu peux pas m'incendre. Je pense qu'à un moment en off, je vais aller, quand on sera vers la fin du jeu, je vais aller farmer énormément d'objets. Histoire qu'on se fasse une petite session crafting. Avant d'aller à la fin du jeu. Faut en voir que mon mari et mon fils ne tombent malades à un moment ou à un autre. Prie, continue de prier. Création pour fourrure et cuir, me dis donc. Qu'on aura une ou deux peaux de bêtes magiques et mêler des barbourins pour les obtenir. Poncho, gilet, capuche... Gants de cuir et kilt. Ah, je vais faire mes propres kilt. Ah. Ah, ah. Des ruines à l'ouest. Eh ben, on va aller là, en fait. On va aller là, on va aller là. C'est une statue. D'accord, le nom est gravé dessus. D'accord, mais je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai fait le tour. Très bien. On va aller inspecter l'auberge. Alors, dans cette auberge, ok, il y a ça, bonjour, monsieur, dame, bonjour. D'accord, ok, des chambres. Ah, là, je peux y aller? Ouais, bah là, je peux y aller, oui, évidemment. 4 thunes, 4 pièces, bonjour, madame. Ah, il est libre. Aucun livre utile, bonjour. Nous pouvons pas laisser cette maladie de nous affecter, des idiots. Assure qu'un pharmacien est proche. D'accord. Juste au-dessus, on a... Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ceci? La porte est fermée à clé. Elle est bizarre, cette porte, mon monsieur. Pareil qu'il m'a dit, elle s'est vide il y a longtemps. Oui, je croyais que nos yeux l'avaient éradiqué. Je ne sais pas. Il y a quoi derrière? C'est quoi, ça? C'est rien. Donc, on a un coffre avec une bibliothèque sûrement utile pour après. Et juste au-dessus, ok, juste au-dessus, c'est là où je voulais aller. Il y a là aussi la porte qui est juste à gauche, où il faudrait que j'aille. Et il me reste cette petite chambre. Bonjour monsieur, je fouille. Nous sommes en vacances, mais ma femme est tombée malade. Aïe, aïe, aïe. Ah bah, chère rebelle, c'est sûr. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Ah oui, le vieux, la jeune avec les oreilles de lapin. Évidemment, ce n'est pas qu'un mariage. La petite porte dérobée qui est ici. Ah. Ah. D'accord. Écoutez, on va sortir. Fermer un peu. Bon, toi, tu me dis rien. Je vais pas vous faire peur, mais je vais approcher. Oui, donc toi, tu... D'accord. Alors, il y a un sanctuaire à l'ouest. Bah, let's go, en fait.
Je vais en profiter déjà pour explorer la carte parce que je n'ai pas fait. Si je me fais agresser, je me ferai agresser. Écoutez, oh, qu'est-ce que c'est ? Ça, ça a l'air d'être un mob un peu important. Je sais pas si je me suis soigné. Je me suis pas trop soigné. Ah, et en plus, il attaque en premier. Aïe. Ok, ok. Alors, coup d'Hermès, c'est vrai. Petite flamme et attaque classique. Oh là là. Ouais, Obscura, c'est celle qui a le plus en attaque. Ok. 60 balles. Alors, on va aller... Alors, avant d'aller par là, on va aller ici. Là, il y a peut-être des trucs cachés. Des champignons. Des rouages gorge. Il n'y a rien de ce côté, il y a rien de ce côté. Et là-bas, au plus profond de la forêt. Tiens, lui, je le connais pas. Ah, champignon et catongo. Et abasourdi, du coup. Si j'ai l'initiative, je prends au moins un tour pour faire des dégâts classiques. Normalement ça devrait être tout. Faudrait peut-être que j'achète une meilleure lance pour ce qu'on va faire. Ah, oulala, ça pique. ...105 balles. Super. Ok, il fait nuit. Qu'est-ce que je poutre. Là, il n'y a rien du tout. Ok. Du coup, on va aller tout à l'est. Ah, ça a l'air d'être un petit peu moins vénère que ce que je pensais. Oh, qu'est-ce que c'est ? Remède supérieur. Oh, très intéressant ça. Foufolia, je peux les faire. Oui, je peux les faire classique. Hein. Ça va pas me faire de gros dégâts. Easy. Voilà. Ah, un coffre. Beau trick lunaire. Oh, super. Alors là, il y en a que deux. Ah, que deux. Mais pas grave, c'est toujours utile. Ah non, pas ceux-là, les coucous mécaniques. Pire ennemi. Pire ennemi. Et vous. Premier secours sur Obscura. Ah, c'est vrai que j'ai bang maintenant sur les gros ennemis. Ah bah d'accord. Le coucou mécanique terminé. Bonne nouvelle. Ça c'est quoi? C'est des petites fleurs. C'est une petite chaîne de fleurs. Comme l'on aime. Ah, j'aime bien. Donc de ce côté, il y a des remèdes supérieurs. Ça c'est cool. On va aller voir un petit peu au sud-ouest. Là, juste à gauche, il y a un petit cercle qui m'intrigue. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas ce que c'est, mais ça l'est.
De la glycine. D'accord. Why not? Why not, why not? Ah, le rouage gorge qui va tout droit. Et juste au-dessus, qu'est-ce que l'on a? Ah là, Foufolia qui vient, évidemment. Foufolia, premier coup. Ah! T'as Obscura qui font impérativement remettre de la vie là, c'est pas possible. J'ai pas de café avec moi, Navré, il fait un peu trop chaud pour ça. Mais j'espère que toi tu as du café, ce Scruffer. Y'a quoi ici? Bon, y'a lui, le gros ennemi, ça je peux le faire. Ah bah écoutez, je ne prends que des références qui sont marrantes. C'est des vieilles références, certes, qui ont... ça a quoi, 15 ans maintenant? Ça a presque 15 ans, je suis en train d'y penser. Ah ouais, c'est ici, non, 15 ans. Donc autant que ce soit clair. Ça, je me... là-bas. En même temps, le cœur a ses raisons, si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement. Allez, regardez, tous dispo sur YouTube, soit en 300, soit en 400p, hélas, parce que c'est assez vieux. Il y a même le bêtisier qui est dispo, il y a tout qui est dispo. La série est incroyable. Vous y allez les yeux fermés. Si vous aimez François Pérusse, de toute façon, vous allez aimer. Voyons. On va... Ouais, j'arrive pas à me tenir comme il faut, moi. On va... un soin, on va save et puis on va aller au sanctuaire. Quoique, peut-être avant de sauvegarder, on va peut-être prendre une meilleure lance. Oui, c'est 20 pièces d'or, ouais, c'est parfait. Et pas revenir, oui. Alors. Marchand d'armes. Ici. Alors, acheter en lance. Ah, d'un grande lance, c'est 1400 balles. Trop cher. Trop cher, tant pis. Ce sera pour une autre fois, en fait, tout simplement. Du coup, save et direction l'ouest. Allez, vas-y. Point, point. C'est point, point. Oui. Oui. Puisse le tout puissant bénir votre qualité, blablabla. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouah, il y a plein de trucs qui se passent. Au secours. Il se passe des choses. Ça, c'est bon. Ça. C'est bon, putain. Pourquoi mon Discord il est en... J'ai Discord qui est en train de tout casser là. Il m'indique des trucs qui devraient pas m'indiquer. Au secours. Tac, 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 tac. Tic. Non, c'est pas ça. Et voilà, c'est bon. J'étais en train de me péter dans les doigts, j'ai pas compris. Allez, on y va. On y va. Tout à l'ouest. Y'a quoi en bas à gauche, tout en bas à gauche? Des limaçons. Un petit solo. Attends. Coup d'Hermès, évidemment. Camille qui va pouvoir utiliser son petit bang là. Et hop là. Thank you.
Ah, et ralliement pour une tension à 5, donc... Ouais, évidemment. Évidemment, c'était sûr. Ah, pas mal. Le bang est pas mal. Il est tout en bas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est vraiment utile d'aller tout en bas dans cette petite clairière qui contient sûrement rien du tout? On ira plus tard. Je pense qu'on va y aller plus tard. Combien? Mais faut d'Hermès. Évidemment le bang. Et hop, la première. Il y a un blaireau mage. Pardon. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Mais ils sont 5. J'en ai jamais eu autant dans ma vie, moi. Bah écoutez, on va les faire attaque normale. Voilà. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire toutes les lettres de l'alphabet en termes d'ennemis si ça continue de demander de l'aide? Bon, ça rapporte de l'XP. C'est déjà pas mal. Moi, j'irai plus tard. Allez, prochaine zone. Alors, on a... Bah, notre... Ouais. On a une île. Tout au-dessus, au nord-est. Au-dessus, on doit avoir le sanctuaire, le fameux sanctuaire. Et à gauche, on a quelque chose, tout à gauche. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça l'est. Non, pas le banc. Pas le banc. Calme-toi. Bon, je l'éteins parce que je commence à avoir la gorge qui me dit fais gaffe mec. J'aimerais éviter d'être malade en fait. What? On a mis un petit peu cher là par contre. Hop là. On va aller où? On va aller tout en haut. Oh, ah mais il y a une plage. On va aller à la plage. On va à la plage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, il y a une petite île aussi, j'avais pas remarqué. Oh, des fioles d'eau sacrée. Utile. Très utile. Allez, petit combat conclu, si je peux choper une peau. Oh, bah si je peux choper deux peaux. Ah, c'est vrai que j'ai aussi un sort avec lui. Pourquoi il pourrait avec tous les membres? Coup d'Hermès, un bang et lui. Aïe aïe aïe, le poison. Non, personne. Personne n'est poisonné. Le bang. Camille, il est en train de prendre tellement cher. Ça, quand XP, ça va. Ça va, ça monte doucement. Oui, j'avais dit maintenant dans ce petit coin. Oh, attendez, il y a un autre truc là-bas. Il y a un petit cercle, je le vois. Juste là.
Ok, ça sert à rien. Et si je prends là pour aller me refaire des mini-conda. Un mini-conda et un hécatombre. Petite glace. Non, pas glace. Tornade. Il faut que j'en sélectionne qu'un parce que c'est une seule personne. Hop. Bon, sur tous. Et sur lui. Ouf. Aïe. Ça c'était pas prévu. Là. Voilà, puis le reste attaque simple. C'est bon. Bon, ça ferme, c'est déjà pas mal. Tout au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Petite clairière, un petit bout avec pas grand-chose. Très bien. Et avant d'aller au sanctuaire, parce qu'on peut y aller tout de suite encore. Tout à gauche. Ah, je peux pas aller tout à gauche. Il faudrait que j'y aille. Faudrait que j'aille en bateau. Oh là là, tellement d'explos à faire. Trop bien. Ah, qu'est-ce que c'est qu'ici? C'est quoi? Un morceau de minerai de fer. Oh, ça, ça a l'air d'être très rare. Ça a l'air d'être rare, ça a l'air aussi de valoir un petit peu cher. Et au milieu de la forêt, il n'y a plus rien. À mon avis, il n'y a plus rien. Il n'y a que des ennemis que j'ai déjà battus. Ouais. Ok, et ben du coup, j'ai tout visité. Let's go, le sanctuaire. Carantombe. D'accord. Elle est fermée à clé, elle ne s'ouvrira pas. Ah. Elle est fermée ta clé. D'accord. Très bien. Bah, j'utilise un objet. C'est dans mon sac. L'aile de chimère. Oui. Utilisée à Basili. Ah, si, je sais. Je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Si, c'est moi. Je suis allé un peu trop vite. Encore une fois. Parce qu'il aurait fallu que j'aille dans la maison à l'ouest. Celle-ci. Bonjour madame. Je me souviens d'avoir entendu que cette maladie devait frapper notre clim. Oui. Oui, mais il est où ton mari? Non. C'est pas cette maison, c'est laquelle? Ah, c'est peut-être la maison là. Ah bah. Oh merde! Oh no! Elle est malade! Pardon, elle est en train de dormir. J'étais assoupi, ça m'arrive très souvent ces derniers temps. Je cherchais Flegmi. Je voulais dire le Flegming. Ça fait tout bizarre d'appeler comme ça. Je vous ennuie avec mon RH. Elle est en plein travail dans son laboratoire en ce moment. Moi, vous a prié d'aller le voir. Je vous accompagne au labo de Flegmi. Il est un peu timide et lorsqu'il connaît pas les gens, j'ai oublié de venir. Je m'appelle Agrippa. Ah, si vous voulez me suivre, eh ben. Suivons-la. Ah oui, il faut la suivre. Elle est où? Elle est... Ah! Ah! Ah, c'était ça, cette porte fermée. Je n'en reviens pas que papa ait demandé à l'étranger d'aller voir Flegmi. Il a donc tant de mal à lui parler. Ah non, elle tousse. Nous y sommes déjà, je vais lui demander de l'ouvrir. C'est toi, 7h, qu'est-ce que tu fais? Tu as de la visite. Il a envoyé quelqu'un pour voir si tu parviens à déchiffrer les anciens manuscrits. Il faudrait mieux d'entrer alors. Oui. Ferme pour la porte, mec, enfin. Ah, alors attendez, je fouille vos livres. J'apprends l'alchimie, yeah.
Flamme d'Héphaïstos et à l'agressance. Lunaria, au magique, potion étrange. Flamme d'Héphaïstos et agressance. Ah, cool. C'est une recette pour un chat mort. La litière pour chat est la créature principale. D'accord. Éventail, bouclier. Les oreilles de chaud. Malédiction et maladie. Ah, utile. Les maladies n'ont aucun signe de régression et les traitements dont peut-être la malédiction. D'accord, très bien. L'impertinence au combat. Montre ton derrière un adversaire qui te dégoûte et un moyen sûr de déstabiliser. Ton culot le rendra tellement dingue qu'il en perdra tout sens de la tactique, je te le promets. Un tortillement bien soutenu. D'accord, c'est Chin-Chan en fait. Et mon personnage est devenu Chin-Chan. Super. Oui, Michel. Bonjour, excusez-moi. Michel. Bonjour, Michel. Je suis débordé en ce moment, mais je suppose qu'un émissaire de beau papa est à la priorité. Regardez, je suis trop cool. Ah, vous venez voir si j'en suis manuscrit, hein. Tu oublies quelque chose, tu n'es même pas présenté. À quoi bon, une formalité chronophage est inutile selon moi. Mais bon, je m'appelle Flegmin, archéologue entre autres. Et vous êtes... ouais, d'accord, parfait. Je vais essayer de m'en souvenir, mais je vous promets pas... je crois avoir trouvé dans ce ancien manuscrit un indice sur la nature de l'épidémie actuelle. Je savais que tu y arriverais. Il y a une centaine d'années, des ruines furent découvertes à l'ouest de la ville. Ceux qui les découvrirent décidèrent impunément de les explorer. Ils ne savaient pas qu'à cause d'eux, un grand malheur allait nous frapper une malédiction, une maladie contagieuse. C'est cette maladie qui est à l'origine de l'épidémie qui fait rage. D'après ces manuscrits, il serait plus juste de parler de malédiction plutôt que de maladie. Les habitants réussirent à arrêter cette malédiction contagieuse en l'enfermant dans les ruines et en bloquant l'entrée. Mais pour une raison inconnue, la maladie s'est de nouveau répandue. Et il est possible que le récent tremblement de terre ait endommagé ce qui l'enfermait. Il suffit donc d'aller au sanctuaire d'enfermer à nouveau la maladie. Tout à fait, mais c'est pas aussi simple qu'il est pareil, je suis probablement le seul qui en soit capable. Tu vas tout réparer et nous sauver? Ah, ça serait pas mal, peut-être que ton père trouverait enfin que je suis digne de toi. Pour moi, ce serait aussi l'occasion rêvée d'explorer ces ruines, cette idée me plaît bien. Le seul problème, c'est qu'il y a apparemment pas mal de monstres en ce moment et j'ai pas envie d'être blessé. Ah, mais c'est incroyable. Ma théorie est que le récent tremblement de terre... Bonjour. La maladie, je suis certain de pouvoir contenir cette maladie. Trop dangereux, j'aimerais aussi étudier ces ruines. Oui, et bah viens, je t'accompagne, mec. Faudrait peut-être retourner voir le maire. Ah, yes, j'ai dû avoir de travers. Non, tu es malade. Tu es malade, Agrippa. Ne fais pas genre, tu es malade. On a déjà eu des morts déjà pour le moment, donc fais pas genre, tu vas bien. Monsieur le maire, bonjour. Ah, je me demande si vous en étiez. Alors, qu'avez-vous découvert? C'est un sort contagieux qui sera à l'origine de cette maladie, nom de Dieu! La seule manière d'en venir à bout est de réparer une amphore qui se trouverait dans le sanctuaire à l'ouest de la ville. Flegming est le seul qui en soit capable. Très bien, c'est très clair. J'ai l'impression que vous savez plutôt bien vous défendre. C'est parce que j'ai une épée dans le dos, c'est ça. J'imagine que ça ne vous intéresse pas d'accompagner. Plus on est de fou, plus on rit. S'il pense qu'une créature dangereuse traîne dans le sanctuaire, je suis sûr qu'il ne sera pas contre un garde du corps. Vous serez attribué comme il se doit. Bah oui. Vous acceptez, c'est excellent, je suis vraiment reconnaissant. Vous voyez ce que je veux dire. Ne perdez pas de temps à porter cette clé à Flegmi. La quarantombe. La clé. Oui. C'est la clé du sanctuaire situé à l'ouest de la ville, nous permettra d'y rentrer. Et ben on y va. Qu'est-ce qu'il y a, c'était là? Confiner à jamais cette maladie mortelle est le meilleur moyen d'aider ces gens. Imagine comme ils seront reconnaissants si on y arrive. On nagera dans la bienveillance. Tu vas redevenir Célestien en rien de temps. Ben, j'aimerais bien, en fait, c'était là. Mais la vie. Tout ça. Voilà, tu l'as compris. Bon, alors. Et machin. Je l'appelle machin maintenant. Mais d'abord, du soin. Donc, ça tombe bien. Hop là. Ici. Et je me repose. Oui, allez, repos. Excusez-moi.
Michel Flemingue. Allez, ramène-toi. On va faire la bogarre. Bonjour. Ah. Qu'est-ce que vous m'amenez? C'est la clé. Vraiment, il vous a demandé d'être mon garde du corps. Il a fait ça pour toi. Il a réussi à vous convaincre de m'aider. Bon, j'ai pas trop le choix. Je suis remis d'y aller, j'ai pas envie qu'il pense que je suis un carboparleur. Je ne pense pas qu'il faille voir la situation sous cet angle, enfin. Nous n'avons pas le temps d'en discuter. Je dois partir immédiatement pour le sanctuaire. Il faut aller vers l'ouest de la ville. Je pars immédiatement, ne me faites pas t'attendre. Mais... mec! Mais Jean-Mi! Excusez-moi, c'est toute cette poussière qui me fait... Ouais, c'est de la poussière. C'est pas de la poussière. Elle va... Vous la voyez? Vous la verrez plus. Ah mais j'ai 1400 balles en fait là. J'ai 1400 balles. Bah je peux lui prendre son arme maintenant. Dis donc, putain, la lance c'est super cher. Mais bon, c'est utile. C'est bon, je peux acheter la lance maintenant. Ah oui, la grande lance 46-58, mais Scruffer incroyable. Oui. Oui. Scruffer. Hop là. Tiens, max d'attaque maintenant. Parfait. Ça va pas être la même histoire maintenant. Et bah du coup, on va aller voir. Hop là, on fait une dernière save et puis on retourne au sanctuaire. Pourquoi les envoyez-vous cette épreuve? Non mais sauvegarde. Allez, please. Dépêche-toi, j'ai pas le temps, plus vite. Super. Oui. Oui. Je m'en vais. Et pas je m'enfuis. Et ben à l'est. Ouest. Non, tu me cours pas après, fous-moi la paix. Quoi? Hein? Mais... il y avait personne? Quoi? Mais Hein? Je... qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Qui m'a attaqué en fait? C'est la question. Moi j'ai rien vu. Je ne sais pas, j'ai pas compris. C'est très bizarre cette histoire. Et deux coups pour Spira. Super. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai aucune idée de comment c'est possible ça. Ou alors ça a dû sortir de terre et ça m'a direct agressé. Mais comment en fait j'ai pas compris. Bon, ceux-là, je les ai compris. Hop là. Des diagonales, ça attaquant une droite. Voilà. Donc. Revenons. Ah bah c'est ouvert. On peut dire que vous avez pris votre temps. Hein. Vous voyez, je vous l'avais dit, le mur du sanctuaire s'est effondré lors du tremblement de terre et l'entrée est ouverte. Ça ne laisserait présager rien de bon pour le sceau qui est censé confiner la maladie. Nous ferions mieux d'entrer, n'oubliez pas que vous êtes là pour me protéger, je ne dois pas être blessé. Connard. Connard. Tu l'entends ça ou je le leur dis? Oh là là, attendez, il se passe un truc. Lorsque les sages se réveillent, une lumière pourpre et bleue apparaît. Et ben, au secours, suis le bon chemin guidé de lumière et ouvre les portes. Ah, je connais ces énigmes, j'ai fait Mario et Luigi. Je connais, vous en faites pas.
Il y a plein d'ennemis, plein d'ennemis. D'accord. C'est un très grand miroir. Je peux le tourner. À quel tourner le miroir? Ah, petit coffre, je prends. Petite fiole d'eau. Là je peux pas y aller. Là je peux y aller. Petit miroir aussi. Un autre miroir. D'accord, d'accord, d'accord. Là il n'y a rien. Là il y a un miroir. Là il y a un coffre. Coffre possiblement rare. Une graine de compétence. Ah alors attendez, ça me fait penser que j'ai plein d'objets comme ça qui sont que je dois utiliser depuis un petit moment, notamment graine de force, augmente légèrement la force d'un allié. Bah écoutez, Obscura va prendre une petite graine de force, deux de force de plus et une pour moi aussi, histoire d'augmenter ma force. Eau sacrée, grelot, herbe curative, denier, agressance, c'est quoi déjà agressance? Chimie, glycine, minerai de fer. Compétence, augmente légèrement les points de compétence. Ah, c'est pour. Oui, d'accord, non, ça je vais la garder. Ça peut être très, très, très utile à un moment où j'en aurais fort besoin. Il y a un bouton sur la baguette qui tire la statue d'un sage. Appuyez sur le bouton. Ah bah vas-y, vas-y, je prends le mage. Au moins je ferai un combat, j'aurai ça dans mon. Ah bah j'en aurai deux. Un petit saut d'enfer sur lui. Coup d'Hermès. Petite flamme. Et puis Obscura ici. Ouch. 16. Vache. Ouais, ça résiste bien là. Ça résiste même bien trop. On va continuer comme ça. Voilà, bon. Pas de momie et plus de magicien. Ennemi vaincu, putain, c'est. Ah bah level up. Cool, plus de PV, plus de PM, 3 points de compétence. Alors, coupe-circuit. Ah, ça pourrait être très utile. Donc je le prends et je vais commencer à booster l'agilité. Donc, coupe-circuit. Ça, c'est très utile. Ok. Coupe-circuit, je crois que c'est très utile sur les monstres mécaniques, si je ne dis pas de bêtises. Je me le suis pris, je suis trop bête. Un esprit frappeur et une flamme roll. Ouais. Kaiga. Hop. Coup d'Hermès. Camille. Bang. Ah bah sur les trois. Donc sur les trois là ça passe. Et Obscura. Coupe-circuit. Ouais. Lourd dégâts aux machines. Donc les rouages gorge. Ce sera très utile. Donc on va faire quand même un petit coupe-circuit. Ce sera pas très utile. Mais ça fera du dégât. 33, c'est pas mal. Ouch. Ah, la forme plus de pastis. Ah, il en reste 8. Attends, faut que je trouve une armure pour Obscura parce qu'elle a pas de défense en fait, la pauvre gamine. On va continuer avec un bang et puis Obscura. Aïe, 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 aïe. Le bang. Voilà. Ça va là-haut. Ouh là là. Ouh là 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 là. Attends, ça va là-haut. Ça va un peu n'importe où, cette histoire. Alors, attends, parce que... Le chevalier debout. Les cavaliers de glaise. Je suis tenté de dire que le feu, ça pourrait être très utile contre eux.
techniquement là. Il a bloqué. Il a bloqué. Je m'énerve. Il a bloqué et il me souffle dessus. Oh là là, Oscura. Mega Protect. Ah, il y a la défense. Premier secours sur toi-même. Camille. La glace. La glace, ouais. Et encore une petite soufflette là. Ah, la glace bien plus utile. Ah, pas mal, super. Compliqué les chevaliers de glace quand même. Bah du coup j'en profitais pour activer l'autre. Le bouton, appuyer sur le bouton et ça ouvre la porte. Et il y a une amphore. Et s'il y a une amphore, ça veut dire qu'il y a un boss. Donc on va être sur un tout petit donjon en fait, je pense. Y a rien là, c'est bah là c'est bleu. Pourquoi c'est bleu? Ah, un objet. Ah, la mini médaille, le petit objet qui va être utile très loin dans le jeu. Oh, oh, oh. Non, pas objet. Ok, ok. Non mais casse-toi le magicien. Esprit frappeur et un ma. Ouh là là, on a Donald, qui s'est invité. Coup d'Hermès, Camille, le Bang et Obscura, le coup de circuit. Hop là. Ah. Aïe 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 ça... Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je pense qu'on va peut-être avoir un mort. Et j'ai pas envie. Premier secours sur Camille, Scruffer, Coup d'Hermès, Camille. Aptitude. Ah non mais c'est Scruffer qui a oui. Premier secours sur Obscura et Thierry va bang et Obscura attaque. Ok. J'aimerais éviter d'avoir un mort. Ce serait cool. Esprit frappeur. Robe de soie. Oh, pas mal. Et dernier coffre. Glycine, alors j'ai une robe de soie, voyons voir. Non. Robe de soie, puissance magique. Ah, meilleure puissance magique par contre. Ah, mais il a pas de défense. Bah, Obscura, si c'est celle qui a plus de défense, je comprends pas. À mon avis, ça doit être les gants. Il y a que les gants. Il y a les. Ah, bah si, je vais donner les gants et le. Et l'accessoire. Donc il faudrait que. Ah, attends, rien. Bah, attends, c'est un pour lui équipé. Ouais, ouais, ouais. Elle a pas de casque. Bah, oui, bah, si on me dit rien. Bah, équipé. C'est pas vrai ça. Aucun équipement, mais ça c'est normal. Ça c'est équipé, tout équipé, tout équipé. D'accord. Il y avait deux points qui se baladaient, je ne sais où, avec elle. Scruffer, premier soin sur tout le monde. On va fermer. Hop. C'est ça, quoi, divination? Un déclic. Oh, c'est cool ça.
Alors, 100, oui, alors moi je m'en fiche. 29, ça va aller au prochain combat. Et ah, Camille un peu plus. Et Obscura, c'est dans très longtemps. D'accord, on apprend les trucs. J'apprends les trucs avec ce jeu. Aïe 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 aïe. Ya. J'avais pas fini. Bah Obscura, attends, elle va utiliser la mélisse sur lui. Tac. Oh, on a terminé. Super. Ah. Ah. Amberlificoté. D'accord. Petit solo. Le bang et une attaque classique. Voilà. Et au moins level up. Voilà. Scraffer un niveau 12. Et 3 points. Alors. Dans la foi, on en est combien? Ah, je vais monter à 13, comme ça, niveau suivant, les soins augmenteront. Et je vais mettre le reste dedans. Comme ça, prochain niveau, j'aurai au moins les soins naturels à plus 10. Ce qui sera très très cool. Non, petit scraffer. Hop là. Il y a encore pas mal de magie, donc ouais, ça va aller. De toute façon, je pense que ça va être un petit farm pendant un bon moment là. Au moins jusqu'au niveau suivant. Je suis à combien de thunes? Je suis à 900. Ouais. Ok, bah, parfait. Tu en as deux. Là, Camille, on va pas prendre un bang, une petite glace. Et Obscura va attaquer l'autre. Ah bah Camille, c'est parfait. Et 3 points de compétence. Alors Camille, on en est où? Dans ma sorcellerie. Ah, on est très loin de la sorcellerie. La sorcellerie, on est quand même très très loin. Je vais du coup augmenter la baguette. Principalement jusqu'à la prochaine compétence. Et ensuite, j'augmenterai la foi. Donc en face, 100% sûr, c'est un boss, en fait. Du coup, acheter... Il va falloir aussi que j'achète des ailes de chimère, vu que j'en ai plus beaucoup. Bah, j'en ai plus beaucoup des ailes de chimère. Ouais, il me reste qu'une seule. On va devoir en acheter. Je vais m'en acheter une dizaine histoire d'être sûr et certain d'avoir un stock assez assez gros. Enfin, je vais les acheter maintenant même. Acheter aile de chimère, ça coûte cher. Bon, on va prendre 5 pour le moment du coup. C'est bon. C'est bon. Du soin. Et hop là.
Alors, ami voyageur, vous passez la nuit? Eh ben, non, je me repose, tout court, s'il vous plaît. Et, petite save. Sinon, pour éviter que ce soit trop long, je peux accélérer un tout petit peu l'émulation, histoire que, bon, on perde un poil moins de temps. Je pense que je vais faire ça. Du coup, ça ferait oui. Et je me prends un broche-gorge. Super. Ah, yes. Alors, du coup, ça va me permettre, dans un premier temps, de voir si... hop là. Son aptitude coupe-circuit, ça fonctionne. Oh! C'est utile, mais vite fait, hein. C'est utile, mais faut le dire vite, hein. Hop, on esquive tout, hein. On accélère quand même. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah écoute, moi j'étais parti me soigner, toi tu combats pas. Flegming, hein. La flemme. Ah bah, cinématique. Incroyable, c'est identique à ce qui était décrit dans les manuscrits, c'est donc dans cet amphore que devait être confinée la maladie. Et comme je le craignais, elle a été abîmée à cause du tremblement de terre. Ah, nous avons de la chance, la partie portant le sceau est encore intacte. Pour un archéologue comme moi, ce serait du gâteau de réparer ça. Et il répare. Faut seulement que je rassemble tous les morceaux. Ensuite, je prends ma colle UU. Bande de petits fouineurs, vous ne seriez pas là pour essayer de me faire rentrer dans mon petit pot. Vous ne croyez pas que je vais vous laisser faire? Oh que non, l'épidémie va sortir de ses gonds et ce n'est pas bon. C'est donc lui la source de l'épidémie qui frappe la ville. Ah flûte, j'ai pas encore fini de réparer l'amphore. Ah, ne restez pas là sans rien faire, si vous ne faites pas vos boulot, je peux pas faire le mien. J'ai encore besoin de temps, occupez-vous pendant que je recolle cet amphore. Et voilà, et donc mes avant. Et... une aura malfaisante s'abat sur la rue, l'empêche d'avancer. Ah! Combat. On est sur de la DS, hein, c'est normal. Regardez, il est beau. Il est beau avec son petit œil. Tu ne veux donc pas mourir, je vais t'offrir un voyage sans retour pour le cimetière. À gros goût. Et c'est la bagarre. C'est la bagarre. Alors, la bagarre. La bagarre. Glace. Je peux les mettre quoi? Je peux les mettre torpeur. Ah non, protection sur Camille. Camille qui va super accélérer. Et Obscura qui va nous faire. Une attaque. Poison, un petit poison et super d'accélérant. Il attaque de fond. Ben, ça sert à rien vu que je suis super accélérant. Hop là, petit 34. Donc Scraffer il est empoisonné. Ah.
Bah donc Scraffer va se faire une protection sur lui-même en fait. Solo, Scraffer, une protection sur lui-même. Camille avec un anti-sort. Et Obscura, la milice. Ah d'accord. Allumez le feu. Allez. L'épidémie évidemment sur Tommy et sur Scraffer. Scraffer qui a encore plus de poison dans ses dents. Aïe. Bah Scraffer, Scraffer qui va se souvenir en fait prochain tour. Hop. Hop. Ah je peux me faire un anti-poison derrière. Super. Bah prochain truc. Petite glace. Et on va faire. Non ça marche, ça marchera pas. Une attaque classique. Voilà. Aïe 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 aïe. Ah bah oui. Bon, on va éviter de perdre Camille. Hop. Et un anti-poison sur toi. Camille continue avec la place. Et Obscura, vu qu'elle a 5 de tension, la milice. Voilà, ça fera un peu plus de dégâts au niveau du premier coup. Aïe. Et super décéléro. Je perds encore de l'agilité. Hop là, ça c'est bon. Et la glace. Ok. Ensuite, solo. Scraffer, protection sur Obscura. Camille, super accélère. Et Obscura. On va s'en garder une. Non, on va pas la garder tout court en fait. Scraffer, oui, d'accord. Oh, ok. Voilà, c'était la dernière. Plus de PM. Oh! Coup de grâce. Intéressant ça. Très intéressant ça, Obscura. Dommage que notre modératrice ne soit pas là pour voir son coup de grâce. Ça aurait pu être très fun. Je me souvenais même plus que. Je sais même plus comment ça se débloque les coups de grâce. Non, il va se soigner toi par contre. Tu vas pas survivre. Camille, un bang. Et puis le coup de grâce. Rugissement puissant, pétrifie les ennemis pour les empêcher d'agir et augmente la tension, mais let's go. Prends du dupper, il attaquera pas pendant un tour. Et en plus la tension monte à 5. D'accord. Hop, un tour, deuxième tour, méga altération. Aïe aïe aïe, c'est la défense. Heureusement que j'ai un petit peu. Ah, y'a pas assez sauf mon main qui a. Ouais. Du coup, solo, protection sur lui pour que ça revienne à la normale. Le bang c'était pas utile, on va essayer de réduire la défense. Et puis Obscura, elle va. On va attaquer. Yes. Une défense de moins. Tant mieux. Ah, une fraîche. Ah. Oh, esquive. Et encore moins d'agilité, mais c'est pas vrai ça. Elle va accélérer derrière. Hein. Bon, pour l'instant, ça se passe bien, ça se passe bien. Non, pas besoin de soins. Camille, on remet un petit coup et attaque. Hop. Normal.
agilité est nettement. Ah, agilité est nettement. Je peux lui faire un petit sort de glace d'ailleurs. Oh, petite tornade, tiens, pour voir. Scruffer. Hermès. Donc on va continuer avec la glace et une attaque obscura. Full attaque sur ce tour. Ah, résistance au sort revenir. D'accord. Ça sert tellement à rien ce temps-là. Bon. Tiens, je peux encore attaquer avec lui. T'as quoi d'autre comme sort? Ouais, je pense que la glace c'est mieux. Un soin sur Camille qui va continuer avec la glace et la obscura aussi. Ah, c'est déjà un peu mieux. C'est une win! Yes! C'est une win. Épidémon vaincu. 500 XP. Level up pour moi-même. Ah mais de base j'ai beaucoup d'agilité. Oh ok. Et Obscura niveau 13. C'est beau. 600 balles et un coffre. Échantillon de terre sacrée. Oh intéressant ça. Jamais l'épidémon ne se rendra pour le bon. Je suis l'épidémon. J'y suis arrivé. Et pareil c'était moins une. Enfer sacré. Il enferme ce démon à jamais. Non, pas l'enfer, non, je tourne. Bloop. Ah, vous avez vu, je vous avais vu ce que j'ai fait, j'ai enfermé cette sale épidémie. Maintenant, mon papa devra en rabattre et me témoigner enfin un peu de respect. Puisque nous avons fait ce pourquoi nous sommes venus, je peux enfin explorer les ruines à ma guise. Vous pouvez rentrer, je préfère qu'on me dérange pas si ça vous fait rien. J'ai jeté un coup d'œil dans le secteur, vous pourriez peut-être retourner à Bassi pour leur raconter ce qui s'est passé. Mais je vais aller en bas, mec, comme toi. Oh, dis donc, l'autre, eh. Il se garde la surprise. Le col de l'enfer est bien scellé. Oui, c'est vrai. Moi, je vais aller en bas aussi, et j'explore. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Mais qui suis-je? Je parle sans bleu. Malgré tous mes efforts du monde, je n'arrive pas à me souvenir. Ah, merde. C'est bien ce que je pensais, ce sanctuaire et le tombeau de la roi a disparu depuis très longtemps. Mais dans ce cas, pourquoi a-t-on fermé l'épidémon ici? Ah, c'est vous n'êtes pas encore parti, je vais rester ici pour suivre mes recherches. Dites à Agrippa que je rentrerai bientôt. Ô roi inconnu, puissiez-vous, vous et votre nom demeurer à tout jamais dans les ténèbres. Bah alors mec. On n'est pas sympa? On n'est pas très sympa avec le monde. C'est pas très gentil d'être pas gentil. Et bah du coup on va retourner à Bassi. Ouais, il y a plus trop de monstres. Pas sûr de ça, pas sûr de ce constat. Bon, alors. Du coup, hop là, je prends mon petit sac, je prends ma petite aile et je la lance pour retourner à Bassili. Ouch, pardon, excusez-moi. Déjà, je vais me soigner pour commencer. J'ai 600 balles. Enfin. Hop. La nuit entre berges, je passe la nuit, oui, tiens, prends ma thune, prends tout. Vas-y, prends tout. Tu tiens, c'est pas point. Hop là. Ensuite, eh ben, on va retourner là-bas. On va retourner au château. Ici. Non, pas ici, là. Et hop, on va voir son papa. Je vais y arriver. Monsieur, il est là où? Eh mec! Bonjour! Oh, j'attendais votre retour! Je dois reconnaître que je suis agréablement surpris que Flegming ait réussi à contenir cette maladie!
D'ailleurs, pour une autre héros, je pensais qu'il sera avec vous. Comment il est resté en ruine? Car j'ai essayé de dire que je commençais presque à penser qu'il n'était pas si mauvais. Peu importe, quand il daignera rentrer, nous organiserons un banquet pour fêter cela. Vous voulez bien nous céder la nouvelle à Agrippa, je suis sûr qu'elle sera ravie d'apprendre tout ce qui s'est passé. Je crois que ta fille, elle va pas très bien. Je sais pas si tu l'as remarqué. C'est pas ouf niveau santé, mais. Voilà, je sais pas trop. Je voulais péter les pots. Personne ne répond. Agrippa ne respire plus. Voilà, voilà. Je suis rentré, Agrippa. Je vais bientôt repartir. Je suis venu prendre quelques papiers afin de poursuivre l'exploration des ruines. Agrippa, je ne dis rien. Ça va pas, réponds-moi. Tu n'es pas toi. L'épidémie ne t'a pas emporté. C'est impossible, je l'ai enfermé. Tout le monde va mieux maintenant. C'est trop tard, n'est-ce pas vrai? Tu étais déjà morte quand je l'ai enfermé. Pourquoi tu ne l'as pas dit que tu étais malade? Si j'avais su, j'aurais travaillé plus dur, plus vite, j'aurais peut-être pu te sauver. Agrippa. Elle est morte. Au cas où, hein. Wink wink, l'indu. Ça fait déjà 3-4 personnages qui meurent. La population de Bacille était délivrée d'une grande menace. Notre soulagement est toutefois obscurci par la tristesse, celle de la mort d'un enfant cher à nos cœurs. Agrippa. Sa disparition est une perte terrible pour nous tous. Nous devons néanmoins la remercier de nous avoir enseigné le sens véritable du mot « tolérance ». Nous qui lui survivons, nous devons faire preuve du même courage afin de surmonter la tristesse de sa disparition. Prions pour qu'elle puisse atteindre les cieux sans encombre et qu'elle repose en paix. Amen. Oh, Agrippa ! Pardon. Allons, ma chérie, nous devons être forts. J'aimerais bien savoir où est parti Flaming. Comment il peut-il être absent un jour comme celui-ci ? Je ne sais pas. Bah, j'en sais rien, mec, vraiment. Ah non, les météorites, je pensais pas qu'on récupérait beaucoup de bienveillance, vu l'ambiance. Ça nous apprendra à nous donner du mal. Personne ne nous aura remercié, je parle même pas d'une récompense. Bon, on doit pas laisser les choses passer comme ça, allons voir Germain le maire pour qu'il nous remercie correctement. Mais meuf, elle est morte! Oh, la pire personne, hein. Incroyable. Ah, bonjour monsieur Germain. Cet incapable de Flaming s'enferme chez lui et n'en sort même pas pour l'enterrement de Agrippa. Tu n'as jamais regretté de t'être marié avec cet homme, ma chère. Ah, excuse-moi, je t'ai perdu ma pensée, je vous ai pas entendu arriver. Que puis-je faire pour vous? Ah oui, je vous ai pas donné votre récompense. Je suis désolé, mais c'est pas tout à fait le bon moment. T'as envie de me demander ça, mais vous voudrez pas passer chez moi ce soir plutôt? Je verrai à ce que votre récompense soit prête. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Je vais aller voir votre fils. Enfin, votre beau... Votre beau fils, ah, il est pas là. Il est dans son bureau. Je le sais. Ouvre la porte, Michel. Ouvre la porte. Je sais que t'es là. Bon, et bah du coup, on va aller patienter jusqu'à ce soir. Se reposer. Allez, on y va. Alors, au fait, lui, dans son puits, il en est où? Eh mec, ça va? Je crois que ça va. Je crois qu'il va bien. Il a besoin de rien. Il est tranquille, pépère posé. Ah, c'est tout. Que fais-tu ici à cette heure-ci? Ah, oui, ta récompense pour avoir amené la jeune Flaming. Oui, j'avais oublié. J'espère que ce turban suffira. Un turban à plumes. Yes! Ah, je suis vraiment déçu. Rien d'autre, c'est tout ce qu'on récupère pour avoir fait tout ce qu'on pouvait pour ces gens. Si Agrippa n'était pas passé l'arme à gauche, tout le monde serait content et bienveillant, coulerait à flot. On va pouvoir faire quelque chose pour arranger ça. En tant que mère, je ne sais que je peux pas rester à me morfondre, mais je me sens vraiment raplapla.
Je ne peux pas vraiment en vouloir à Fleming de se cloîtrer chez lui. Tu m'étonnes, mec. Alors, attends, j'ai un turban. J'ai un putain de turban. C'est honteux. Défense, puissance magique, soin magique. Ah! Ah, c'est que pour moi? Yes. Je suis magnifique. Je suis le plus beau. Super. Et là, je peux toujours pas. Là, il y a Jean-Mi là. Je suis un peu déçu de Fleming. Je remets qu'il a un peu plus de courage, qu'il ne se cache pas comme ça. Je comprends que les orphelins veulent se couper du monde. Pourtant, il faut résister à l'adversité. Sinon, que reste-t-il? Mais putain, mec. Taisez-vous. Vous savez pas ce que c'est de perdre quelqu'un. Bon, Fleming. Je sais que t'es là. Il est pas là. Fleming! Oh, je sais où tu te caches. J'attends quand même de voir s'il n'y a pas un... Ah ah! Bonjour monsieur. Je ne sais pas si de nombreux jours on peut avoir une autre âme en peine pour me tenir compagnie. Mais si vous me parlez, ça veut dire que vous pouvez aussi parler à Grippa. Vous pouvez lui dire quelques mots. Bonjour madame. Ah, je suis morte on dirait. Attendez, vous pouvez me voir? Ah quoi, je sentais que vous étiez différent, mais je pensais pas que vous étiez l'un d'entre eux. Quelle chance, je vais sûrement pouvoir m'aider. J'aimerais essayer de remonter le moral à Fleming. Il est vraiment très déprimé, je le vois pas reprendre du bout de la bête tout seul. Vous voulez bien m'aider? Oui. Après, la chose à faire, c'est de le tirer de son laboratoire. Je suis sûr qu'il trouvera un moyen d'y parvenir. Allez là-bas et on avisera sur place. Et en fait, si vous avez bien retenu, elle a fait une petite toc-toc secret. Cette porte est fermée à clé. Oui, c'est normal. Vous n'y arriverez pas comme ça. Ne sortira que si utilisé le code secret. Alors. Voilà. Agrippa ? Agrippa, c'est toi ? Non, calme-toi, mec. C'est vous qui avez frappé comme ça ? Imitez le code, c'est vraiment une blague de mauvais goût. Non, faites jamais ça ! Hey, je suis content de te voir, j'ai un message pour toi. Merci de nous avoir débarrassé de cette maladie. Les habitants de ma cité te remercient. On te doit être fier sur l'aile. Ah ouais, on espère que tu reprendras vite du poil de la bête. Tout le monde s'inquiète pour toi. Mais qu'est-ce que... J'aimerais que vous lui transmettiez un message de ma part. Pouvez-vous lui dire que je voudrais qu'il aille voir les gens qui l'a sauvé en enfermant ce démon? Oui. Et vous avez ça, mais je saurais pas par où commencer, je sais même pas qui était malade. Tout ce que je voulais, c'était arranger mes relations avec vos papas. J'aimerais que vous me fassiez rencontrer tous ceux qui sont malades. Je sais que c'est un peu tard, mais je voudrais connaître ceux qui ont été frappés par cette maladie et ce qu'ils ont ressenti. Je comprendrais peut-être ce qu'Agrippa a pu vivre. Allez, acceptez! Acceptez-vous? Oui, parce que sinon j'avance pas. Sinon j'avance pas dans le jeu vidéo. Et donc du coup, nous allons voir déjà pour commencer la nonne. Oh, je suis heureuse de vous voir dehors, docteur Fleming. Acceptez mes sincères condoléances pour la mort d'un Agrippa. Je suis conscient que vous l'arbre bien plus fort avec toute la population. Pleure sa disparition. On l'aimait. Tout le monde l'aimait. Bonjour. N'est pas tout à fait en règle, oui. Alors oui, petite sauvegarde tant que j'y pense. Hein, parce que quand même. Ça c'est bien, ça j'aime bien. Ça j'aime bien cette musique là. Oui. Allez, on fait comme ça, on fait comme ça. Yes. Qui c'est qui est l'autre tronc? Oui. Oui, bon, si, d'accord. Toi. Elle est devenue vraiment déprimante, mais si, c'est dommage, nous devrions nous rejoindre. Oui. C'est vrai, mec. C'est tellement vrai. Oh, c'est vous, docteur Fleming? C'est moi. Oh, je suis désolé, c'était une si gentille personne. Putain, le mec, il est jamais sorti, il découvre des gens. Moi, je pense qu'il faut que j'aille voir directement son père. Ah, je t'aime mon petit lapin. Ah, personnage numéro 1. Ah, vous êtes le docteur Fleming, pareil, celui qui nous a débarrassé de cette méchante maladie. C'est moi, vous étiez malade? Ah, merci, après plus, si j'aurais été séparé de mon poussin à tout jamais. Je
je peux lui faire autant de maman que je veux. Vous voulez pas un petit bisou pour vous remercier? Non, c'est pas maman, c'est ça. Il manquerait plus que ça pour qu'elle se prenne celle-là. T'approches pas de mon flémier, t'as une tenue bizarre et tes propositions douteuses. Ah là là, Dragon Quest. Dragon Quest Swiss d'ailleurs, avec son massage particulier. Oui, reprends-toi. Reprends-toi. Mec. Alors attends, parce que pour me souvenir de qui était malade, c'est sportif. C'est où, docteur Fleming? Alors, c'est moi que je suis super, c'est pour essayer de te foutre dans quel. Personne n'a été malade chez nous, mais j'ai tellement peur que ma femme et mon fils ne tombent malades. Ok, mais si, j'ai pas réfléchi, je suis désolé. Pourquoi il m'a dit t'as de l'importe avec toi et tout le monde chien de sa race? Non, je veux lire ça. Création pour forêt cure. Ah, mais je les ai déjà. Non? Ouais. Ok. Je les ai déjà, ces recettes. Ah, lui, il était malade. Ah, oh, merci de m'avoir sauvé ma femme et ma fille. Putain, mes filles, elles étaient malades toutes les deux. Ah oui, je vous assure que j'avais passé des nuits blanches. J'ai cru que j'allais les perdre toutes les deux. Vous êtes notre sœur. Mais lui, c'est bon. Rompchit, évidemment. Et Rompiche ici aussi. Ah non, pas la petite fille, tiens. Une aussi petite fille a été atteinte de la maladie. Comment je fais pour ne pas voir qui était malade? Sans toi, ils seraient tous morts. C'est vrai. C'est tellement vrai. Alors, fais gaffe, mec, à ce que tu dis. Ah, putain, je viens de voir que j'ai fait une faute dans mon message là-bas. Non, bah rien, mec, en fait. Là c'est bon, mais il me reste plus que le château de ton bon papa. J'ai préféré qu'on évite un endroit, j'ai pas trop envie de voir papa en ce moment. Bah, y a plus personne d'autre en fait là. Y a plus personne d'autre en fait qui était malade, mec. T'es ici, peut-être le chien. Waf waf. Non, pas le waf waf. Ah, le vieux. Ah, j'ai oublié le bâtiment là. Oh, je me sens vraiment mal. C'est impossible, ma dédiée était confinée. Comment tu dois être encore malade? C'est rien, c'est vrai, juste un. Hein, vous voulez bien lui dire? Ah, mais il a un mec, calme-toi. Au secours. Ah, quel soulagement! Le mec qui voit la mort partout. Bonjour. Il a dormi sans couverture, c'est normal qu'il ait pris froid. Je m'étonne. Non mais je fous chez vous, madame. Vous voulez pas trop. Je crois que j'en ai vu assez. Rentrons à mon laboratoire. Donc il y avait que 3 personnes, ouais, c'est bien ça. Enfin, 3-4 personnes. Oh, ton labo tout dégueu. Yes. Je dois vous remercier, vous m'avez montré ce qu'Agrippa voulait que je voie. Tout ce que j'ai fait, c'était toujours pour moi et je me suis jamais beaucoup préoccupé de ceux qui m'entouraient. C'est pour ça que j'ai pas remarqué qu'Agrippa était malade. Je suis impardonnable, je sais. En parcourant la ville aujourd'hui, je me suis rendu compte que pour la première fois du nombre de personnes qui m'entouraient, j'essaierai de m'intégrer davantage à la communauté. Et je dois admettre que c'était agréable d'être l'objet de tant de gratitude. Merci d'avoir aidé à se reprendre. Vous m'avez permis de réaliser mon rêve, même si ce n'est qu'après ma mort. J'ai toujours rêvé que les habitants de Basili se rendent compte combien Flémy était fantastique. Et de son côté, il se met à aimer cet endroit. C'est exactement ce que j'avais toujours désiré. J'ai plus de temps. Le moment est venu de nous quitter. Bonne chance.
Et voilà. Un jour, on va bientôt se lever. Je suis désolé, j'aurais pas dû vous faire veiller si tard. Allez, vous reposez, j'ai encore quelques passages à étudier, je reste encore un peu. D'accord. Ah, cinématique. L'aube approchant, je décidais de rentrer à l'auberge pour me reposer. Le jour se lève. Ouais, bonjour, enfin, je devrais dire plutôt bon après-midi. Alors, quel magnifique après-midi en effet, on dirait que tout le monde est redevenu joyeux. Mais c'est super, trop bien. Ah, j'aime bien ça quand les gens sont contents. Oui, ça m'est arrivé, nous avons réussi. Tu t'en apercevras sûrement pas, mais la vie déborde de bienveillance. Tu mériterais une promotion pour avoir rendu autant de gens heureux. Du boulot de haut vol, enfin, tu vois. Ça veut peut-être dire qu'on peut faire repartir l'Orient Express. En voiture, attention à la fermeture des portes. Allez, on se dépêche d'y retourner à toute vapeur. Bah. Ouais. Et moi, je veux bien. Et aussi, alors, vous avez remarqué peut-être qu'il y avait une porte que je ne pouvais pas ouvrir. J'ai donné un coup dans le micro, je suis trop con. Cette porte, si je me souviens bien, plus tard dans le jeu, mais genre bien plus tard, ça va être utile. Et ce que contient d'ailleurs, ça va être utile pour un seul moment dans le jeu. Mais c'est très loin. On va tout organiser les objets de toute l'équipe. Et on va tout mettre les objets dans le sac, histoire que moi je m'y repère. Alors, dans le sac, on prend une aile. Et puis on se rend à Ablicia. Il y a des trucs par terre, trop bien. Ah, je récupère les coagulants. C'est gratuit. Et puis, bah, on va se rendre... On va se rendre... à l'Orient Express. Mazette, elle a l'air d'avoir besoin qu'on lui remonte le moral. Ça doit être un fantôme, pourquoi tu lui demandes pas ce qui cloche? On vous dirait qu'il a besoin de parler. Il n'est pas là. Quoi? Il n'est pas là non plus. Mais reviens! Charmant, c'est ce qui s'appelle battre froid. Non, dans une météorite, certaines personnes sont mal polies. Faudra laisser tomber, on a mieux à faire rire. Tous à bord de l'Orient Express. Ouais, c'est parti. Allez, on se bouge, ce tas de ferraille n'ira nulle part si tu n'aides pas à décoller. Oh! Oh! Il se passe un truc, mec! Meuf! Oh, lieu, ça tremble! Je vais en profiter pour boire. Wow, on dirait qu'il s'est enfin décidé à comprendre que tu es un célestilien! Ça y est, il me reste plus qu'à nous ramener à la maison du gâteau pour une cheminote de chevalet comme moi. Excusez-moi, c'était ma bouteille. Je vais programmer les coordinateurs sur le tableau de bord et on sera en l'air, on n'a rien de temps. Ok, je n'ai que normalement plus qu'à bouger ses commandes, on devrait se retrouver à l'observatoire. Mais ah, on a le temps, hein. T'as encore quelque chose à faire, je m'attends, hein. Oui, bah oui, bon, on y va, je tout fais, moi. Ouais, entendu, alors, capitaine, attendez, c'est parti, à toute vapeur, trop tard pour changer d'avis. C'est hyper pour le moment. Hop, mon petit gâteau à côté. C'est parti, on va décoller. Ponk. Oh! Oh, ça marche. Bah, ok. Bip, boop, bip, boop. Voyons, on a un petit coup là, et puis là, bidouillons ça, et puis encore là, et ça marche. Comme le décodeur.
Ah, vroom vroom. Oh! Trop bien! J'ai des wagons! Ah, j'ai réussi! Ah, c'est logique en fait, j'ai réussi après tout. C'est moi le capitaine de l'Orient Express. Parfait, observatoire, nous voilà! Bonk. La SNCF en sueur. Ah bah, tu m'étonnes. La SNCF, elle voit ça, elle se dit. On va peut-être se bouger, non? Cet architecte prolifique, Hydrasil, accorde-nous la protection en ces temps troubles. Nous nous inquiétons pour la sécurité de l'observatoire. Cho-cho, est-ce possible? Bonjour, messieurs. C'est moi. Ah, comme les prières des pieux sont vite exaucées. Pas des vieux, hein. Des pieux. Regardez l'Orient Express, c'est par lui que le salut viendra. Oh police, quelqu'un est en train d'en sortir. Hein? Mais c'est moi. Par les constellations. C'est bien toi, mais que fais-tu à bord? Qu'est-ce que c'est? Ton auréole, tes ailes? Quelle horreur as-tu enduré, mon enfant? Tu as perdu tes ailes dans ton monde d'observatoire. Et l'Orient Express est venu à ton secours, tu dis. Mais qu'en est-il des autres étudiants qui sont descendus du royaume inférieur? Pourquoi reviens-tu seul? Je sais pas, mec. Je suis tombé. Parle-moi, mon enfant, ton retour est à lui seul une raison suffisante de remercier le Tout-Puissant. Maintenant, viens et fais-nous part des péripéties qui agitent le protectorat. Et alors, en fait, je suis tombé. La nouvelle du retour se répand rapidement dans tout l'observatoire. Il raconta à Apodis comment il a perdu ses ailes et son auréole dans sa chute. Et lui fit part de nombreuses bizarreries dont il est témoin au protectorat. Donc le protectorat a été frappé par les mêmes rayons de lumière qui ont transpercé l'observatoire en ce triste jour. Je m'en souviens très nettement, comme toi, j'en suis sûr, le jour où l'Yggdrasil a enfin donné ses fruits, cette lumière maudite venue du monde inférieur qui a frappé notre royaume sacré ainsi que l'Orient Express. Et les figs, les fruits sacrés de l'Yggdrasil, sont aussi tombés, comme toi. Nombre de nôtres sont ensuite descendus pour chercher ce qui était tombé et découvrir d'où provenait l'attaque. Mais hélas, tu es le seul, hein, pour l'instant, à être revenu. Nous sommes encore inquiets pour ceux qui n'ont pas encore été retrouvés, mais ton retour est un signe d'espoir. Je dois remercier l'Yggdrasil d'avoir veillé sur toi. Va jusqu'à lui, rends-lui grâce. Il se pourrait bien qu'il te restitue ta vraie forme célestilienne. C'est le moment parfait pour le faire, gardien. Va, et que la bénédiction de Tout-Puissant t'accompagne. Ok. Dans ce cas, ce n'est pas fini pour moi. Je l'ai ramené sain et sauf à l'observatoire, comme promis. On s'est bien joué tout ça, mais j'ai d'autres points à fouetter. Vaut mieux que je prenne la poudre d'escampette. J'étais content de te connaître, ce fut bref, mais sympa. Allez, salut, mec. Bah dis donc, pas très sympathique tout ça. Et tout est cassé, tout est défoncé, et il y a des bouquins. Histoire d'observation, ok. Y'a pas un petit livre de craft là? Non. Même pas. Non. Même pas là. Ah, liste des gardiens. Bah non, en fait. Ouais, Colombe. Ah, responsable du registre de l'Observatoire de l'Histoire du Monde. Aquila demandait d'être relevé de ses fonctions de gardien. Ah, Aquila, on ne sait pas où il est. Voilà qui est très perturbant. Point, 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 point.
Il y a rien ici, rien ici. Et bah du coup, on va sortir. Normalement, j'ai déjà tout récupéré ici. Il y a rien qui change. Hey, hey, il y a le route express garé juste à côté, c'est marrant. Prier. Oui, je veux prier. J'effectue la prière. Il prie avec ferveur au pied du grand Yggdrasil, l'arbre du monde. Il y prie si longtemps qu'il finit par sombrer dans un profond, très profond sommeil. Oui, les mortels ne sont pas dignes d'habiter mon royaume. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils sont bien trop enclins à la cupidité, au mensonge et au déshonneur. Ils sont nés de la poussière et je les ferai revenir à l'état de poussière. Je t'en conjure, retiens-toi. Pourquoi me défies-tu? Père, j'ai foi en les mortels. Tu ne peux pas, tu ne dois pas, tu ne peux pas dévaster le royaume, je t'en supplie. Silence! Je ne te laisserai pas m'influencer, les mortels seront éradiqués. Père, j'ai foi en les mortels. Je prends cette apparence pour protéger les mortels et leur royaume de votre colère. Je dois les protéger. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, bizarre tout ça. Oh, gardien et célestilien, nous nous réjouissons de ton retour. Que tu sois revenu sans aller ni auréole prouve certainement que le destin t'a choisi. Je vais te montrer la voie. Cet arbre t'indiquera la prochaine destination où ton destin veut te mener. De plus, précieux Jason, je te confie ce sort qui te permettra de revenir en un instant à tout endroit que tu as précédemment visité. Apprends la téléportation. Yes, trop bien. Célestilien et gardien, retourne une fois de plus au Rome des mortels. Voyage à bord de l'Orient Express jusqu'aux terres inférieures et retrouve les figues qui y sont dispersées. Fais cela pour les mortels, pour leur salut. Comme le port salut d'ailleurs. Alors, as-tu retrouvé tes ailes et ton auréole? Non, malgré tes prières, l'Hydrasil ne t'a pas restitué tes pouvoirs célestiliens. J'en suis désolé, il me semble que tu vas devoir subir cette privation encore quelque temps. Vraiment? Tes prières au pied de l'Hydrasil t'ont inspiré un rêve mystérieux, dis-tu? Raconte-moi ta vision dans les moindres détails. Un bien étrange rêve, en effet. Quelqu'un qui cherche à détruire le monde, quelqu'un qui cherche à le sauver. Je crains qu'un terrible conflit, dont nous n'avions jusqu'alors pas conscience, soit en train de se tramer. Il est fort dommage que tu aies perdu tes ailes et ton auréole, mais cette malchance est peut-être un signe. Après tout, tu es maintenant capable d'utiliser le route express. Je crois en ton rêve, et je crois que ton rêve est un message de grand architecte en personne. Si la voix du Tout-Puissant t'a ordonné de retrouver les Figs, alors tu le douteras. Les Figs recèlent le pouvoir de l'Yggdrasil. Elles peuvent être la clé du salut du Protectorat et de l'Observatoire. La rapidité s'impose. Tu dois partir sur le champ. Rapporte-nous les Figs, notre destin est entre tes mains. Bah, d'accord.
Bah, j'y vais alors. Bah, salut les mecs, hein. Merci. Des bisous. Tout ça. Ah bah, elle est là, elle est là. Oh là là, ouais, bien pu passer ce vieux roncheux. Je suis certain de le retrouver en venant ici. Il a dû tomber au protectorat quand les rayons de lumière ont frappé. Est-ce que je dois repartir à sa recherche? Comme si j'avais que ça qu'à faire. Enfin, de toute façon, j'ai pas le choix si je veux toucher ma paye. Ah salut, je m'attendais pas à te voir ici. J'ai pas le temps de plaisanter, j'ai une course embêtante à faire. Enfin, il faut que je retrouve quelqu'un. Comment? Tu dois aussi retourner au protectorat? Alors allons-y ensemble. Ça alors, quel coup de théâtre. C'est parti. Yeah. Ah trop bien Stella, je suis content. MDR. Parfait, que la fête commence dans le royaume des mortels. Mais cette vieille casserole ne roule pas encore toute vapeur. Est-ce qu'elle va arriver en tirant en bas, je me le demande. Qu'est-ce que c'est que cet arbre le bleu là-bas? Si j'arrive à atterrir là-dessus, on devrait pouvoir se poser en douceur. En tout cas, j'ai pas de meilleure idée. Alors à moins que tu aies une inspiration divine, on va faire comme je dis. C'est parti! Bloop. Super, je ne crois qu'on ne s'est pas trompé, ça doit être là. Ciao ciao. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à destination, tout le monde descend. N'oubliez pas de laisser un petit pourboire. Et 5 étoiles. J'ai l'impression qu'on peut se poser qu'aux endroits dotés d'arbres bleus pour le moment. Ensuite, il faut continuer à pincer. Si tu as remonté à bord de l'Orient, je suis sûr que tu trouveras le moyen en furetant au pied de l'arbre. J'ai le vague sentiment que le bâtiment qu'on a vu est à l'abbaye des vocations. C'est là-bas que tu peux changer de vocation. L'endroit est toujours bondé, et là où il y a du monde, il y a toujours quelque chose qui se brame. Bon, moi je suis à la recherche d'un homme, et toi t'es à la recherche de fruits, alors faisons chasse commune. Hein? Voilà. Bonjour. Les camarades se montrent. Ok. Alors, je suis sur une île avec des archers, mais aussi, et ce qui va nous intéresser, des slimes. Ouais, mais ceci. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Ah, trop bien! Et donc c'est là où je vais pouvoir changer de vocation. Mais troubadour, ça me va très bien, les gars. À moins que je puisse être guerrier. À la limite. Monsieur, dame. La nouvelle abbaye des vocations. La sainte maison du changement de vocation. Les changements sont malheureusement impossibles en ce moment. Ah, mince. Par un jour, on se passe sans qu'on recevions la visite des fidèles des anges de vocation. Les changements sont malheureusement impossibles. Pourquoi? Ah, attendez. Je vais parler à monsieur. Prions pour un retour du père. Hein? Quoi? Retour du père, c'est-à-dire, je suis pas bien sûr de comprendre. Je vais descendre tout de suite, on va explorer. Ah, bonjour messieurs. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui viennent de bout du monde pour changer de vocation. Il a fallu que je dépense mes mecs économies pour venir ici, et voilà quand il n'y a plus moyen de changer de métier. J'ai tout le monde du monde pour me déplacer avec mon vieux corps jusqu'ici pour mon rêve de devenir femme de chambre. Je ne mangerai pas d'ici tant que j'aurai pas eu mon petit tablier volant et ainsi que mon plus bon traîneur. Ah, il est en bête. Je vous prie de vouloir vous excuser, le père Blaise est absent pour le moment, veuillez patienter. Bah voyons, ça fait combien de fois que tu nous le dis? Si on t'écoute, t'es sale, on sera encore l'année prochaine. Je suis terriblement désolé, je vous supplie de bien vouloir patienter. Et il se passe. Pardon, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour. Nous avons cherché le père Blaise dans tout l'abbaye, il semble être volatilisé. Ah bon?
Ah, je n'ai aucune idée ce que ça peut venir d'être. Bonjour monsieur. Bienvenue à la vidéo vocation, vous êtes là pour changer de vocation? Oui. Il est impossible de changer de vocation si il n'est pas là pour diriger la cérémonie. Je suis certain qu'il reviendra le plus tôt possible en toute patience. Et si je te dis non? Vous cherchez un fruit de lumière, maintenant que vous en parlez, quelqu'un qui a changé de vocation a donné un fruit dans le genre au père Blaze. Je crois que cette personne est encore à la bille. Demandez autour de vous, vous trouverez sûrement. Quelqu'un qui a changé de vocation. Donc c'est pas cette fois-là. Ça va être en dessous. C'est possiblement en dessous. Messieurs, dames, bonjour. Je suis venu ici parce que je voulais arrêter le commerce, mais les gens veulent m'acheter des objets. C'est pareil pour vous. Heureusement que j'ai ma camionnette avec moi. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, regarde ce que j'ai dans la poche. Alors, voyons, tiens, j'ai une épée. Pas ouf, elle est un peu dégueu. Tiens, j'ai une lance aussi dans la poche. J'ai un petit poignard. Bon, c'est pas très utile, mais voilà, tu comprends. J'ai un bâton, j'ai la fouet, j'ai même des griffes. Bon, les griffes, elle est un peu vieille, mais t'es qu'à tes frères. Ah, mais c'est trop cher, tes armes. Ah, si, peut-être un petit coup de défense. Ah, puissance et soins magiques, ça c'est bien. Un manteau de sérénité. Je vais en prendre un pour. On va en prendre un pour. Scraffer en fait. Scraffer ou Camille Scraffer, parce que. Ouais. Tiens, va prendre ta thune. Hop, Scraffer, tac, prends. Non, c'est bon. Allez, salut mon pote. Merci, au revoir. Je me demande bien ce qui est arrivé au père. Les gens disent qu'il n'est pas du genre à disparaître sans raison, bah, je sais pas. Un fruit de lumière? Eh bien oui, le père en avait un lorsqu'il est venu déjeuner l'autre jour. Vous savez qu'il adore les fruits. Il a mangé un fruit en dessert. Je vais donc un peu les réapporter après qu'il ait mangé. Il m'a dit que c'est un homme qui voulait devenir à terre. C'était Marcel qui lui avait donné. Ok. Un fruit de lumière, j'aime bien les objets assez étranges. J'en ai pas ça en stock. Demandez à la serveuse. Ok. Faut que je trouve une personne qui va devenir un artiste martial. Et tiens, tiens, tiens. Mais qui est donc ce personnage juste au-dessus qui m'a l'air totalement étrange? Je peux vous aider? Oui. Si j'ai un feu de lumière, j'en ai donné un au père. J'ai trouvé en chemin, j'ai entendu que le père adorait les fruits. Je me suis dit que ce serait toujours un plus. Je sais pas ce qu'il en a fait après, que je lui ai donné. J'ai vu discuter avec la serveuse de terre, mais c'est tout. Mec, t'es un connard. Je vais entraîner à m'incliner. Faire face à la personne, pencher le bus de 400 degrés. Ah, il y a même une question bizarre. Affecter, s'incliner avec une direction, puis sa direction, putain, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je suis désolé, je vous ai pas vu, je m'entraîne à m'incliner pour la prochaine rencontre avec le père. Bah, rencontre. Bonjour madame. Non. Combien? 20 pièces d'or? Ouais, mais pas tout de suite. Pas besoin, pour le moment. Je vais fouiller ça. L'encyclopédie des armes d'acier, yes. Le minerai de fer, mais le morceau de live. Ah. Il y a une hache. D'accord, il y avait la hache dans le bouquin. Voilà qui est cool. Ça va mec. J'ai à nouveau passé la vie en peigne fin, mais j'ai pu trouver aucune trace du père. Où est-ce qu'il a pu se cacher? Armure d'acier, une terre sacrée du minerai de fer, d'accord. Donc, des armures en acier. D'accord, d'accord, très bien. Et ben, j'ai les recettes de l'acier. Bon, c'est toi qui as trouvé le fruit. Super. Bravo, Michel, t'es très très fort. Alors. Son plaid de résistance, tu m'as dit que c'est un homme qui veut. Oui, bah d'accord. Et c'est tout ce que tu as à me dire. Donc c'est lui, il faut que je trouve quelque chose. Bah écoute, tant mieux. Bon, on a des indices. Ah bah c'est magique. Non, d'une météorite, mon gros cheminot n'est toujours pas là non plus. Où est-il? Où est-ce qu'il est passé? Ah, mais attends, j'ai étrange l'impression qu'à l'effet que tu recherches, j'étais ici il y a pas longtemps. Et quelque chose me dit que ce père Blaise a pu en faire son 4 heures. Tu devrais trouver cet homme qui avait l'air. Cet homme qui avait l'air si important et lui demander s'il sait quelque chose. Tu cherches cet abbé? Oui. Donc on va avoir Jean-Mi, le prêtre, qui est là-haut. Ah, c'est où? Comment ça vous êtes sûr? Le père Blaise a quitté l'abbaye après avoir mangé le fruit dont vous parliez.
Ah, il refait un pouvoir mystérieux. La tour d'évocation, c'est évident. La légende, celui qui est... c'est là qui a eu le rite de changement d'évocation, mais elle est envahie de monstres maintenant. En temps normal, le père n'aurait jamais osé se rendre dans un endroit assez dangereux, mais si vous dites que le fruit lui a conféré des pouvoirs magiques, il est peut-être poussé par la curiosité. Oh là, si je me trompe, il est parti seul. Vous pourriez aller à la tour et ramener par Blaze. Oh, on n'est pas capable d'affronter des monstres. Tu peux le faire, s'il te plaît. Ah, je vais vous indiquer comment aller dans la tour. Passez votre entrée et saluez. Un seul salut vous suffira, je vais vous montrer. Regardez bien. Hop là. Salut. Donc, on t'apprend à faire une aptitude. La tour d'évocation située à l'est de l'abbaye. Ah, c'est pas au sud. Sort et aptitude. Non, c'est... déjà divers tactiques. Résultat est divers. Armoire, almanach. Oh, sans combat, d'accord, trop bien. Distinction, c'est pas ici. Objet équipé, non. Caractéristiques. Comment je m'en équipe déjà de mes trucs. 10% de la liste. Waouh, trop bien. Chasseur cueillette. Yes, trop bien. Ah, comment je fais déjà? Faut que j'aille voir l'autre qui est en train de s'entraîner. Il est en train de s'entraîner, il va me expliquer, je pense. Oui. Nous pourrions nous entraîner ensemble, qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut affecter l'inclinaison à une direction de mettre avec attribuer des aptitudes. Ok, alors. Aptitude. Non, mais alors, pas comme ça. Attribuer des aptitudes, voilà. Alors, attribuer des aptitudes, là. S'incliner. Incliner, voilà. Hop là. Et donc, je fais ça, ça, incliner. Voilà, je peux m'incliner. Il faut voir que je prends la plus belle inclinaison si je veux faire mieux. D'accord. Il y a un garde maintenant. C'est un endroit que j'ai pas encore inspecté et la tour à l'est, mais j'ai pas trop envie d'y aller. Les rites de chambre de bien sommé la tour, mais parfois pleine de monstres. Ah ah. Du coup, ça c'est réglé. Il y a pas de... Eux, ils ont pas de quête à donner, pas de petite quête secondaire, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Même pas lui, même pas lui. Alors, on sort de l'abbaye. Du coup, faut que j'aille à l'est. Mais moi, j'ai très envie d'aller au sud. Non, on va aller à l'est quand même, histoire au moins de faire un petit donjon et de récupérer des trucs. Et puis de combattre. On va combattre maintenant que j'ai un sort de téléportation pour me soigner, enfin pour éviter de me TP. Les mondes gluants, d'accord. Saut d'enfer. Coup d'Hermès. Le bang. Et l'attaque. Voilà. Oh, coup spécial de Kiami. Au secours. Permet de ne dépenser aucun même pour un moment. Pas utile pour le moment en fait. Tu peux le garder tranquille dans ton coin. Ça pourra être utile plus tard. Mais pas de suite. XP, ouais, ça va. Glugloute, d'accord. Ah, là-bas, il y a une petite forêt avec quelque chose. Il n'y a rien du tout. Il y a une grosse bête là. Babourin et
pierre flèche. Ok. Ça prend deux tours, mais je ne veux pas savoir les attaques par contre. J'ai pas envie de savoir les dégâts que ça fait. Ah, aïe. Ah, ça fait pas mal d'XP. Obscura qui gagne beaucoup plus d'XP que les autres d'ailleurs. Ce qui est étrange. Alors, il y a une tour. Ici, c'est ça? Ouais. Ok. Il y a un bruit. Il y a des petits bruits. Bon. Il y a une petite fleur. Ces portes ne sont pas s'ouvrir, il n'y a même pas de pot de serrure. Incliné. Et ça s'ouvre. Parfait, et ben on entre. Et exploration. Avec des combats évidemment. Tels que des morts vivants. Bah les morts vivants en premier en fait. C'est mort vivant direct en fait, si ça me... Je crois que ça empoisonne en plus. Hein. Yvex, c'est une saleté. Voilà, merci mort vivant. Le reste, is ok. 18. Ah, ça fait mal. 1 point de vie. J'ai failli décéder au secours. Ah mais premier soin en fait, tout de suite. Genre tout de suite maintenant, je suis au secours. Je l'ai vu bloqué, je me suis dit. Je la sens pas. Je l'ai vu bloqué, j'étais pas bien. Sort aptitude scrapher. Hop là. Voilà, même encore un coup, tu vois. Voilà. Hop là, il y a R, dégage. Là, il y a deux trucs. Et là, il y a une fontaine au milieu. Attention. Il y a deux escaliers. Partons à gauche, du coup. Ok, c'est des labyrinthes. C'est des labyrinthes. Ok, très bien. J'aime pas bien ça, les labyrinthes, en fait. Ah, une bobine de laine. Ah, deux. Encore mieux, dis donc. Hop là. Ah, d'accord. Oh. Datune. Des clous de fer pour le craft et de la thune encore. Et là, je vais ici, ça mène là, qui mène. Du coup, en bas. Ok, très bien, je vais me faire celui-là, tiens. Spell level. Oh, il y en a deux. Oh, il y en a beaucoup trop. Il y en a trop. Lui je l'aime pas. Aptitude, coup d'armes. Un bang et une attaque classique. On va au moins essayer de faire aussi ce boss là. Et puis je pense que ce sera déjà pas mal. Ah là, la glace. Ah. What? Ça pique.
Ok, Camille qui va avoir besoin de défense bien plus vénère. Non, si, prenez. Ça va, ça se passe bien. Il va vraiment falloir une meilleure défense. Ah, Scrapper qui peut placer un coup spécial. Bah, c'est un peu tard. Oh, quoique. Quoique, est-ce qu'il peut l'avoir avec son coup spécial? C'est quoi le coup spécial? Restore les PV, ils sont une altération des. Bah, allez. En fait, oui. Full défense, voilà. Ok. Oh bah, le seul personne hein, qu'il fallait pas. Ah, trop bien, trop bien. C'est génial. Bah, ce sort est utile. Ce coup spécial est utile, par contre, je sais pas au bout de combien de temps, ni de coups, ni de tours, ni de combat, ça se. Je peux l'utiliser. Les level up, parfait. Oh, passage sûr. Intéressant ça. Ah, d'accord. Ouais, je vois ce que c'est et je vois ce que ça fait. Donc tout ce qui est poison, lave, etc. Désormais, ça ne me fait plus de dégâts si j'active passage sûr. C'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Je prends. Hop, étage suivant. Ah, c'est... Une vocation offre des possibilités illimitées. Choisir sa vocation fait partie des droits inaliénables de tout mortel. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Choisissez votre métier, les enfants, si jamais vous vous posez la question de ce que vous voulez faire dans la vie. Vous avez le droit de savoir, de choisir ce que vous voulez faire. Et... En général, personne à part vous-même peut vous dire oui ou non. Ah! Ah! Allumez le feu! Camille, y'a pas du tout de défense, ça me termine. J'ai au moins un max de thunes maintenant. Ça c'est un poteau. Ça c'est de l'eau. Oh, il y avait un... J'ai un coffre que j'ai pas vu l'ennemi. Un champ image, un seul. Bah, c'est avec un seul. On va y aller comme ça. Ah, et c'est lui qui attaque. Ah, ça pique. Ça va. Ça va, ça va. Pas dur. Pas dur du tout. Ah, la mini médaille. Là, je l'ai vu, la goutte. Là, le petit poteau. Et ensuite, au-dessus. Et ça, ça va être la fin de la zone, j'ai l'impression. Non. Ah non, il y a encore l'escalier tout là-bas. 1200 balles, bon bah je peux très clairement acheter de l'équipement pour à peu près tout le monde. Je vais me faire la sorcière, je voulais me la faire mais... Ah, elle est là. Elle est là. Des fêlés. Oh, jeu de mots. J'aime. Scrasseur. Non, coup d'Hermès. Sur une seule, on va tout mettre sur une seule au final.
Ouais, au physique, ça attaque pas du tout. Ok, donc là, fait les 1. C'est bon. Allumer le feu. Petite flamme. Voilà. Alors. Ah, mais il y a un truc tout là-bas. Il y a quoi tout là-bas? Il y a un coffre. Ouais, petite esquive. Un morceau de minerai de fer. Oh! Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais mange-toi les murs. Mangez-vous les murs. Mangez-vous tous les murs du monde. Là. Voilà. C'est bien. Tiens, je vais me faire le slime. Dégluant. Ah, oh, bah ils sont trois, ils vont peut-être se combiner. Demande du renfort. Il y en a un autre. Ah, alors ça. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est bien de les attaquer? Je ne sais plus. Il y en a plein. Ok. Un petit critique là. Ouais, il y a plein de gluants, donc je peux faire un max. Un max de farm. Camille va plutôt faire un bang. Ouais, ça appelle à l'infini, je pense. À mon avis, il y a un moment, quand il y a trop de gluants, même si ça fait pas trop de dégâts, ça doit fusionner. Je sais qu'il y a des... Dans une certaine configuration, les gluants, quand ils sont un certain nombre d'une certaine variété, ils fusionnent pour faire un espèce de roi gluant. Ou une tour gluant un peu bizarre, je sais plus. Ah! Eh bah tiens, c'est ça, voilà. Trois gluants, c'est l'ingluantin. Comme quoi, je m'en souvenais bien. Mais il me semble qu'il y avait autre chose. Avec les gluants. Saute en l'air et... Ah. Attaque de zone, je m'y attendais pas. Bah ça résiste bien ces trucs là. Aïe. Oh. Ah, c'est bon. Eh, pas facile celui-là par contre. Ah, level up. 4 points de compétence. Ah, j'en ai un en plus. Donc là, ça m'amène à 12. Et là, ça m'amène à... Ah putain, faudrait que je... Ouais. Je vais en mettre 10 là. Histoire de voir la lame de métal qui serait utile pour les ennemis de métal. Et là, je mets les deux. Ouais, c'est bon. Hop là. 185 pièces. Ça va. Une pierre de sorcier. Puissance magique, on augmente un peu la puissance magique, ouais, d'accord. Ça baisse de 2 points. Ah, ce serait plus utile sur Camille. Camille, ce serait plus utile. Ouais, allez. Scrafeur. Hop là. Et puis sur qui ça va, évidemment. Hop là. Voilà. Hop là. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des trucs, on a des machins, on a un coffre. Gantelet de fer. Je n'ai pas déjà équipé. Gantelet de fer, bah si. Équipement impossible, équipement impossible, équipement impossible. Bon bah c'est réglé, hein, personne ne peut. À part moi. Ah, 120 balles.
du tout. Je vais attendre qu'elle disparaisse. Oh, il y a un chevalier. Ça, je le connais, le chevalier là. Je les connais, les chevaliers, je les connais. Du coup, si je les connais, je vais m'en faire un. En fait, la bagarre contre le chevalier, il est là. Vas-y, chevalier. Une armure errante qui est aussi un ennemi assez connu des jeux. Hop là. J'ai bien fait de prendre un premier soin. Génial. Et là normalement ça devrait être bon. Super. Elle est où cette tour? Ah, ça doit être la presque fin. Je suppose que c'est la presque fin là. Ouais, à mon avis. Là, il y a R. Droite, gauche, milieu. Ah, ouais, c'est la fin. Alors, ne choisissez pas une nouvelle vocation à la légère tant qu'il va commencer ta vie, car elle fasse le restant de tes jours. D'accord. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Un coffre. Avec une mini-médaille, encore une. Un autre coffre ici. Et un autre coffre là-haut. Très bien, le chemin de lumière, c'est là où je dois aller. 100%. Une fiole d'eau magique. Et ben... Alors attends, ça fait quoi la fiole d'eau magique? Ah, 30 PM, d'accord. Ok, ok, ok. Ça s'annonce le boss. Du coup, j'ai quand même 3000 balles. Je vais me TP à l'abbaye d'évocation. Pour me soigner, choper du meilleur équipement, notamment sur la défense et pas sur l'attaque. Même si je devrais plus aller à Basilie pour aller acheter des trucs. Parce que là, la BU c'est un petit peu ric-rac en termes de propal. Et puis on va faire ce boss là. Et je pense que après on pourra s'arrêter. Deux petits boss là pendant cette session, ça aurait été pas mal. Hein. Alors passer la nuit. Oui, passer la nuit, hein, écoute. Hein. Bien. Pourquoi obscurer là? Oui, si obscurer ça. Du coup, Jean-Mi qui vend du merdier, il est en dessous. Alors, ça c'est bon, épée large. Ah, le bouclier, faut vraiment que j'en prenne. Il y a déjà un bouclier qui va partir chez Camille. Oui, c'est Camille qui va le prendre vu qu'il n'y a pas de def. Et puis en termes de défense, armure de fer, personne peut le faire. C'est qui peut le faire? C'est guerrier ou c'est voleur, ça je crois. Le t-shirt Obscura, si, le t-shirt quand même. Ouais, si, manteau de sérénité. Ouais, non, le t-shirt. Ouais, Obscura pour le t-shirt. Oui. Et les genouillères sur 59-60. Ah, une petite jupe, soit magique. Ah bah écoutez, Obscura qui va prendre la petite jupe. Hop là. Oui. Sur Obscura aussi, à la place de source libère.
Jonglière de fer, 4 et 4. Scraffer, du coup. Bah ouais, Scraffer, allez. Scraffer, hop là. Ensuite, une arme. Une arme. À 1300, ça va être compliqué de trouver une arme. J'ai 1000. Ouais. Bâton, projet de Tumblr, c'est pas sûr que c'est utilisé comme objet. Ah, c'est utilisé comme objet. Oh, d'accord. Le fouet, non. Bâtoir de chaîne, non. Obscura, je pourrais augmenter Obscura, mais non. Le bâton ne sert à rien. La griffe. La griffe, c'est pour Obscura, mais bon, c'est pas trop. Je peux me prendre une épée de fer. À la limite. Bah, je vais me prendre une épée de fer, écoutez. Voilà, épée de fer, oui, 1000 balles pour moi-même. Et ça m'a l'air bon. Je vais aussi en profiter pour mettre des objets. Donc, une herbe, au moins une herbe curative. Non, herbe curative. Ça, si, je vais la garder. Sac. Ça va prendre du temps pour préparer les objets. Ah, herbe médicinale transférée à Arius. On va lui en donner une. Transférée sur tout le monde, même. On sait jamais. Voilà. Tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Remède spécial. J'en ai 3. Pas assez. Antidote au magique. Ça, je vais la donner. Non. À Scraffer. Voilà. Et puis ça m'a l'air bon pour le moment. Bien. Et bah écoutez, sauvegarde. Et puis let's go le boss. Allez. Confession. Consigné. Sauvegarde. Ça va, j'ai un coup de barre qui arrive là. C'est chaud. Oh, oui. Allez, le boss. Il y a lui que j'attendais, il y a lui, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait en ennemi, donc je vais le faire. Histoire d'être sûr, il y en a qu'un seul, c'est bon. Un cyclone. Sort, ouais, petite flamme. Voilà, le reste c'est bon. Ah, c'est vrai qu'il a de l'agilité, l'enflure. Oh bah c'est bon, pas dur en fait, le cyclone. J'attendais la pire. Bon, bah une bonne chose de régler. Ça je connais. Ça je connais. Je peux pas fuir. Si je peux fuir. Je me suis enfui. Première fuite du jeu. Tant mieux. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite fuite comme ça. Alors. On va la refaire. Le bon chemin, c'est droite. C'était la gauche. C'était à gauche. Ouais. Hop, puis milieu. Oh, il y a rien dans les bases. Ensuite, on fait le tour. Attention. Ah, il est au milieu, salaud.
Alors, là. Tac, 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 tac. Ici, ici. Slalom. J'ai failli l'apprendre. Et milieu. Et... J'étais pile dessus, c'était tendu. Et là, on fait le tour. Et milieu. Je vais essayer pour le champignage. Super. Ah, il y en a trois, salaud. Bon, bah tant pis, on va prendre, bah, au moins faire un bang. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On va déjà y avoir des sorts à claquer. Oh, électrique. Ah. Salaud. Oh là 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 là, ça se passe mal, 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 mal. Bon, là normalement, tout le monde attaque, ça devrait être réglé. Mais... Oh là là, oh là, c'est pas du tout ce qui était prévu, ça. Oh, critique 91, mais fais ça pendant les boss, s'il te plaît. Alors, aptitude, Scruffer. Scruffer qui va soigner tout le monde, parce que tout le monde s'est pris un dégât. Donc il y a déjà 8. 8 magies qui viennent de s'envoler, merci. Alors, du coup, ceci, qu'est-ce que c'est ? Pouvoir suprême qui inspire toutes les vocations, ô force mystérieuse qui fait souffler les vents du changement. Viens, investis-moi après. Qui ose interrompre cette cérémonie sacrée? Si ton dessein est de mettre un terme à ce rite, tes efforts seront vains. Personne ne peut s'opposer à la volonté des cieux. Le pouvoir est en moi, le pouvoir de guidance extrême, suprême. Le pouvoir de mener mon troupeau sur le chemin de la lumière. Et maintenant moi, Père Blaise de l'abbaye des vocations, je t'implore de m'accorder encore plus de pouvoir. Investis-moi, bénis-moi. Accorde-moi le don de la guidance suprême. Oui, oui, le pouvoir investi qui me transforme. Qu'est-ce que c'est que ça? Que suis-je devenu? Cette formidable, je suis devenu un monstre. Ces ténèbres, ce sont mes pouvoirs. Ce n'est pas ce que je souhaitais. Mais oui, je comprends. C'est par la peur et la tyrannie que je contraindrai mes brebis à suivre le chemin vertueux. Je ne suis plus le Père Blaze, après 9 ans, je suis le Père Blasphème, et tous apprendront à m'obéir et à subir ma colère. Eh bien, tuto à pic, je cherchais justement un sujet sur lequel tester l'étendue de mon tout nouveau pouvoir. M'autorises-tu à te guider sur le chemin de la vertueux, ou préfères-tu subir les conséquences de la désobéissance? C'est la bagarre! La bagarre contre le Blasphème, qui j'espère n'aura pas de tour, pas deux attaques par tour. Et saut d'enfer, Scruffer! Une protection sur Camille, en fait. Camille avec le super accélération et. C'est pas une machine, mais du coup, la mélisse! Alors, super accéléro, ok. Ok, ok, tout ça s'accélère légèrement. Aspire magie, c'est pas prévu. Oh, aspire la magie. Et l'attaque de foi. Ah. Ok. Une protection sur Camille, bah une protection sur Obscura d'ailleurs. À suivre. Petite glace. Protection sur Obscura. Camille avec l'altération. Et Obscura avec une attaque classique. Ah, super.
Oh, c'est quelques points de plus, mais... toujours utile. Ah, ça, c'est un tornade critique. Une tornade critique. Je peux encore attaquer ce tour-là. À l'accompagnement, sûr, puisqu'il y aura... si premier secours sur lui-même. Camille... empêche un seul ennemi de lancer des sorts. On va tenter et une attaque sur Obscura. Ah, ça ne marche pas. Tant pis. Aspire magie sur mon perso principal. Yes. Ouch. Premier secours sur lui-même, Scraffer qui va protéger lui et Camille de la glace et elle, la mélisse. ...57 c'est pas mal. Ah, Obscura qui peut avoir sa spéciale. Aïe aïe aïe. Heureusement que je me suis soigné. Hein. Et il faut un soin sur Kemi et un soin sur Obscura derrière, hein, par contre. Aptitude... sort. Soin Kemi. Soin Obscura. Kemi, glace et Obscura avec son coup de grâce. Il... au moins attaquera pas pendant un premier tour. Qui est assez pour me soigner et pour attaquer au moins une fois histoire de c'est bon. Hop, un tour, deuxième tour. Si je peux l'amener jusqu'à 10 avant qu'elle attaque, ce serait bien. J'ai quoi de Cocorico? Non, c'est pas un petit coup d'attaque, une glace et une lamélis. 60, ça va. Bon, ça se passe pour le moment bien. Ah, j'ai droit à mon coup de grâce et encore une tornade critique. Mais... je vais mourir. Scraffer, super. Oh, alors lui c'est quoi? Accroît la fréquence des esquives et des contre-attaques. Pas tout de suite, en fait. Premier soin sur toi, Scraffer. Attends. Je vais pouvoir lancer ça. Scraffer va pouvoir lancer ça. Et Camille, la glace et Obscura attaquer. Faut impérativement que Scraffer lance sa spéciale avant tout. Sinon, il va y avoir un mort. Ah, yes. Coup de grâce, chant des cœurs des anges. Ok, full PV. Parfait, ça c'est parfait, ça c'est cool. Protection, oui. Petit coup de défense, d'accord. J'ai bien fait. J'ai très bien fait d'ailleurs ça. Du coup, un solo. Scraffer, une... j'allais dire une torpeur, mais non. Un coup sur lui-même. Non. Wow. Sur lui-même, j'ai dit. Super accéléro et obscur attaque. Voilà, au moins ça reste. Et faut que je remette un coup de défense. Encore 3 critiques sur la tornade et c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe, ce jeu est cassé. Comment ça se fait que les critiques sont autant présents? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'en sortent indemnes, j'ai envie de tout casser.
C'est un des pires boss que j'ai eu en fait là. Inspire magie, évidemment. Le Camille qui prend. Aïe. Solo. Scraffer magie sur Camille. Camille. La glace et obscura l'attaque. Ah bah tiens, critique. Zblu. Ah bah une dornade normale. Mais ça fait toujours mal. Oh, obscura qui a plus de vie. Glace. Non. Alter autant, tu n'es une altération. Deux fois. Wow, putain, ça... Oh non, il attaque maintenant. Non, 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 j'ai plus de magie. Fuck. J'ai plus de magie. Fais chier. Ah c'est bon, on peut se soigner. C'est con que sa défense revient à la normale. Aïe 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 aïe. J'ai lancé un accompagnement sur Obscura. Protection. Sur Camille. Non même pas protection en fait, soin. Ah, il a qu'une seule arme. Sort, place, attaque. Oh! Battu! Putain, j'y croyais pas là, c'était compliqué. C'est beaucoup trop juste à mon niveau, faut que je farme énormément maintenant. Yes! Obscura qui gagne donc ses points de compétence. Alors, ça c'est un petit peu trop long. Non, 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 dégage. Concentration. Agilité naturelle. Je vais en mettre 3 et je vais mettre un point quand même ici. Histoire de confirmer. Niveau 14. Yes. Isolation. Oh, intéressant ça. Du coup, attaque plus de 10 avec ça. Et là, je mets le reste. 10 avec une lance. Ça, c'est cool. Morceau de lave, ah super. Très compliqué ce boss. Non, mon pouvoir, mon tout nouveau pouvoir. Ouais, j'ai mon écran qui a... Oula, mon écran qui s'est éteint tout seul. Je comprends pas. Qu'est-ce que je fais ici? Qui es-tu? Que fais-tu ici? Je cherche un fruit de lumière, dis-tu? Mais bien sûr, j'ai mangé un fruit de lumière et je me souviens de très peu de choses après cela. Je me souviens que de la sensation terrifiante de me désincarner. Tu dis que j'ai pris une forme monstrueuse et que je voulais mener mon troupeau par la peur et la tyrannie. Et c'est toi qui m'as sauvé de mon égarement? Ah, je comprends. Bon, il faut que je retourne à l'abbaye. Des âmes perdues ont besoin de mon secours. Oh, petit fruit. Regarde-moi ça. Oh là là, ce n'est qu'une figue, mais ce vieil abbé a dit qu'il l'avait mangé. Je ne comprends pas. Je prends la figue. J'ai obtenu une figue. Wow. Super. T'as trouvé une figue, je suis ravi pour toi, mais je peux pas empêcher de m'inquiéter en voyant les dégâts qu'elle produit sur les humains, même les plus doux. Enfin, j'imagine qu'on n'y peut rien. Retournons à l'abbaye, voyons quelle est cette histoire de changement de vocation. Ouais, on va y retourner, tranquillou. On va y retourner tranquillou à base de téléportation. Sort,
Évac. Téléportation qui demande 0 du coup. J'ai failli mourir sur ce coup là. Faut que je prenne au moins le temps de farmer de l'or pour l'équipement. Bonjour messieurs dames, bonjour. Pour rester en location, vous apprendrez de nouvelles aptitudes, d'accord. C'est insultant de se dire artiste martial alors que tu n'as pas des années d'entraînement derrière toi. Ce serait déshonorant de promettre que tu lui présentes un des disciples qui n'a pas au moins atteint niveau 15. C'est toi qui m'as avoué. D'accord, donc là il y a une quête. Très bien. Ok. Bon bah il y a une petite quête là, faut que je sois à Martial niveau 15. Très bien. Oui, ils ont rien à me dire. Jean-Mi et Jean-Marc là, ça va, t'as entendu le père rentrer. Trop bien. Parle-moi plutôt de toi, tu es là pour changer de vocation. Ouais. Troubadour. Moi aussi je changerai de vocation, je t'emmerde. La confrérie sacrée des arts magiciens, l'invocation des merveilles élémentales, l'attrait de la force tombe d'oxyre un ennemi le plus élégamment possible. Il s'agit sans doute de l'aptitude des élus. Vous avez l'œil de quelqu'un qui connaîtrait la vraie beauté. Voulez-vous rejoindre la fraternité sacrée des arts magiciens? Oui, d'accord. Je m'appelle Peter, vous devez vous entraîner pour rejoindre la confrérie. Pour devenir un magicien, vous devez maîtriser le pouvoir de Dame Nature. Il ne vous plus que faire qu'un avec la force. Se créer un anti-sort avant d'affronter deux glands de métal, vous verrez que c'est un jeu d'enfant. Soyez prudent car en plaçant l'antisort, celui plaçant l'antisort doit être celui plaçant le coup final qu'il porte. L'antisort canalise la puissance de la nature. Ouais, d'accord. Bon bah, une quête d'accepter, parfait, très bien, ok. Lui c'est bon, y'a rien. Le petit vieux là, c'est ok. Na, personne, la personne. Bonjour monsieur. C'est ok, c'est magique. Oh bonjour, je te remercie encore de m'avoir tiré de la situation délicate dans laquelle j'étais. Au nom du Tout-Puissant, je me demande encore ce qu'il pouvait y avoir dans ce fruit étrange. Je ne cherchais que le moyen de mieux guider mon troupeau. Ce fruit possédait des propriétés extraordinaires, mais je n'ai pas pu contrôler son pouvoir. Il s'est emparé de moi. Un tel fruit n'aurait jamais dû toucher les lèvres d'un mortel. Si tu m'avais pas arrêté, j'aurais peut-être détruit entièrement ce monde. Je t'assure de mal, j'espère que mes pouvoirs pourront t'aider dans tes aventures. En tant que prêtre, l'ami de vocation est de mon devoir d'aider les gens à changer de vocation et d'élargir leurs horizons. Ok, mec. Mais je veux pas changer, moi, en fait. J'ai bien senti la peur dans le cœur des fidèles, je n'ai aucune idée de ce qui nous réserve l'avenir. Mais tant de fidèles viennent habiller de vocation pour changer de vocation, je sais qu'il y a mon devoir. D'accord. Ouais. Non. Non, je veux pas changer de vocation. Je vais vérifier que qu'il n'y ait pas une quête de cachet, qu'il n'y a rien de caché en fait. Attends, le mec, ça va, c'est bon. Non, plus à marcher. Ah si, lui il a une tête. Les gladiateurs sont les véritables maîtres du champ de bataille. Là, la peur leur est inconnue. Genre, aucune jamais peut vous manier des avantages au simple carrier que le hache ou les masses. Vous savez avoir une force physique impressionnante. Un monstre laisse libre cours à sa fureur. Un gladiateur laisse libre cours à sa rage. Essayez de vaincre 3 gluants à l'aide d'une lame du dragon. Tout en étant en état de très haute tension. Ouais. Ok. On prend la quête. Ça me débloquera peut-être un truc, hein. On sait jamais. Dans le doute, hein. Ah, elle aussi a une quête. Les gens disent que lorsqu'un mage de niveau 15 ou plus séjourne ici, il voit des faits dans ses rêves bien mis en première. Ouais. D'accord. Bah, en fait, quoique si, en fait, si. J'ai un mage, moi. Donc il faut que je mette déjà. Donc là j'ai déjà artiste martial niveau 15 obligatoire et j'ai mage niveau 15, j'ai les deux. J'ai artiste, mage et troubadour et artiste martial. Martial, ouais, martial, hein, je vois. J'ai plus trop parlé maintenant. Hein. Toi, t'es un con. Lui, il a rien à dire, lui c'est un fantôme. Qu'est-ce que je fais avec? Il m'a dit qu'il doit y avoir un troubadour niveau 15 au moins dans le secteur. Mais c'est... Faut vraiment que je... Ok, niveau 15 partout, c'est bien, j'ai 3 quêtes sur 4.
Enfin, oui, bah en fait c'est bon, d'accord, très bien. Mais ok, bon. Et bah écoutez, c'est parfait, on va pouvoir se laisser là après cette petite sauvegarde. Hop là, petite save. Je vais, je pense que je vais farmer un peu, vu que la semaine prochaine on continue de jouer, je vais farmer un peu sûrement demain et pendant mes petites pauses. On va faire comme ça, ouais. Et bah du coup, voilà, on a quand même un petit peu avancé, ça commence à être très dur par contre.